manqué d'inspiration pour cette intervention liminaire, donc j'ai repris le titre d'une intervention qui m'avait été demandée par les jeunes agriculteurs de Rodez, qui sont essentiellement des éleveurs. Et c'est eux qui m'avaient proposé le titre et je l'ai trouvé marrant, donc je l'ai repris. Ils m'avaient proposé, enfin, plus exactement, ils n'avaient pas proposé le titre de mon intervention, mais ils avaient proposé le titre de la soirée aux gens qui étaient venus, et j'ai trouvé le titre marrant. Voilà, donc je l'ai repris. Avant de passer aux questions, parce que j'ai compris que le format de la soirée, c'était essentiellement des questions, et je trouve ça très bien, je vais vous faire quelques petits rappels, j'imagine, rappels pour l'essentiel d'entre vous, sur le sujet dont on va discuter. Alors, pour celles et ceux qui ont besoin d'images, voilà, il y a un rappel beaucoup plus long de ce que je vais vous dire sur l'énergie et le changement climatique qui est disponible sous forme illustrée, accessible normalement à partir de 4 ans, d'après les retours de lecture que j'ai. Alors, je ne sais pas si les lecteurs de 4 ans comprennent tout, mais enfin bon, je sais qu'il y en a. L'une des choses qui a fondamentalement changé le monde dans lequel nous vivons, en plus exactement le monde dans lequel l'espèce humaine vit, parce qu'il y a 2 siècles, on n'était pas vraiment sur Terre, c'est la découverte, puis l'exploitation à notre profit de ce qu'on a coutume d'appeler les combustibles fossiles. Dans cette école dédiée aux êtres vivants, je ne vous apprendrai rien en vous disant que les combustibles fossiles sont des restes de vie ancienne. Pétrole, gaz et charbon sont des restes d'organismes qui ont vécu n'importe quand entre il y a 4 millions et 400 millions d'années et qui ont été ensuite sédimentés et gentiment cuits par la géothermie jusqu'au moment où ça nous a fourni des choses remarquables, prêtes à l'emploi, qui s'appellent, ou quasiment prêtes à l'emploi, qui s'appellent du pétrole, du charbon et du gaz. Ces combustibles fossiles ont la bonne idée, exactement comme le soleil et le vent, d'être gratuits. Comme vous le savez peut-être, ou peut-être pas, tout ce que nous pouvons trouver dans la nature est, par convention, gratuit dans notre représentation économique. Hein, il n'y a strictement rien qu'on paye à la nature à chaque fois qu'on se sert d'une ressource naturelle. On peut aller se servir dans une mine de cuivre, on ne paye rien à la nature. On peut aller se servir dans une mine d'or, on ne paye rien à la nature. On peut aller se servir dans l'océan, on ne paye rien à la nature. Et on peut notamment aller se servir dans un gisement de pétrole, on ne paye rien à la nature. On paye à d'autres individus, ça c'est sûr, mais on ne paye rien à la nature. Ces combustibles fossiles qui brûlent, donc qui permettent d'engendrer des réactions exothermiques, nous ont permis de mettre en mouvement une espèce d'exosquelette mécanique absolument monstrueux qui s'appelle la machinerie mondiale, fait de machines à vapeur, c'est toutes les centrales électriques, à pétrole, à gaz, à charbon et nucléaire, enfin qui n'utilisent pas des combustibles fossiles, les centrales nucléaires, mais c'est des machines à vapeur quand même, les moteurs à combustion interne, et plus généralement toutes les machines qui en découlent, y compris les machines électriques, puisqu'il faut commencer par avoir des centrales électriques pour avoir des moteurs électriques. Ces machines nous ont permis de transformer à vitesse accélérée la totalité de ce qui tombe sous notre main, y compris des ressources vivantes. Y compris des ressources vivantes, hein, j'en parlerai ensuite. Ça nous a permis de fabriquer les... Est-ce que vous savez combien est-ce qu'aujourd'hui il y a de références différentes sur un site de vente en ligne? C'est-à-dire combien d'objets différents vous pouvez acheter sur un site de vente en ligne? Personne ne se risque. Combien? 100 000. 20 000. Combien plus? 1000 fois plus. Un site aujourd'hui de vente en ligne vous permet d'acheter des millions d'objets. Je dis bien des millions d'objets différents et je ne parle même pas des services. Hein. Et sur un site de vente en ligne, vous n'achetez que des objets pour les particuliers. Vous n'achetez pas des pièces détachées pour remplacer ce qui a fait défaut sur une presse à emboutir d'une ligne de construction automobile. Hein. Donc la quantité d'objets qu'on a pu fabriquer avec la machinerie mondiale est juste aujourd'hui proprement faramineuse. Ça se compte en dizaines ou centaines de millions. C'est juste hallucinant. Et ça, c'est grâce aux combustibles fossiles et aux esclaves mécaniques que nous avons mis en route grâce à ces combustibles fossiles. Cette abondance de combustibles fossiles et cette abondance de machines a libéré du temps pour les individus, a déformé la structure de l'emploi, a changé les lieux où nous habitons, a évidemment changé nos habitudes de consommation, a éclaté les familles, par exemple. Sans moyens de transport abondants, les familles n'éclatent pas. Il y a 2 siècles, les parents vivaient là où vivaient les grands-parents et les enfants vivaient là où vivaient les parents. Ça n'existait pas d'aller voir ses enfants à 500 bornes. Enfin, si, chez les nobles, mais à part ça, ça n'existait pas. À mondialiser l'économie, etc. Donc cette abondance de machines a complètement changé le monde dans lequel nous vivons. On a coutume de regarder cette transformation uniquement sous l'angle économique, mais c'est évidemment une vue extrêmement partielle.
Et cette belle histoire se heurte de plus en plus désormais à ce qu'on a coutume d'appeler les limites planétaires. Alors les limites planétaires, il y en a un certain nombre. C'est par exemple la quantité de métaux disponibles, la quantité d'espace disponible, la quantité de combustibles fossiles disponibles, etc. Et dans ces limites planétaires, il y en a deux qui aujourd'hui, ou une plus exactement, qui aujourd'hui est particulièrement sur le devant de la scène, qui est la question du changement climatique. Il y en a une autre qui commence à arriver fortement sur le devant de la scène, qui est l'érosion de la biodiversité, hein, c'est-à-dire notre prédation sur les espèces vivantes et sur les habitats. Et il y en a une autre dont je vais vous parler très brièvement également, qui est une limite amont, c'est-à-dire l'approvisionnement en combustibles fossiles. À partir du moment où il faut des millions, voire des centaines de millions d'années pour faire ces combustibles, eh bien, on ne peut pas en avoir indéfiniment des quantités données. Hein. C'est malheureusement les mathématiques nous l'interdisent. Cette civilisation de la machine, elle a donné des auxiliaires qui sont considérablement plus puissants que nos propres muscles à la totalité des professions exerçant sur Terre, y compris la profession qui est la plus ancestrale de toutes, c'est-à-dire celle qui a vocation à nous nourrir. Depuis que l'humanité s'est sédentarisée, c'est-à-dire est passée à l'agriculture, en fait, les premiers métiers au monde, quelque part, ont été des métiers agricoles. Et aujourd'hui, ces métiers agricoles, en fait, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est qu'ils sont essentiellement exercés par des machines et que ce qu'on a coutume d'appeler des agriculteurs aujourd'hui sont devenus, comme dans à peu près toutes les autres professions, des conducteurs de machines. Une première machine qu'on utilise assez souvent dans l'agriculture, c'est un tracteur. Eh bien, vous voyez, quand vous regardez la puissance d'un tracteur, il vous développe, il vous transforme l'environnement, hein, c'est ça la puissance développée, autant que s'il était actionné par des centaines de paires de jambes. Donc, vous prenez 600 agriculteurs qui manient la houe et la bêche dans un champ et vous les remplacez par un tracteur. Voici une moissonneuse-batteuse, un peu musclée, un peu doit américaine celle-là, donc un peu grosse. Vous multipliez par un facteur 10, c'est-à-dire que cette moissonneuse-batteuse, elle représente la puissance développée de quelques milliers de paires de jambes. Ou si je convertissais en chevaux, hein, vous savez qu'un cheval, c'est à peu près 700 watts de puissance, c'est-à-dire 7 bonshommes. Donc ça veut dire que ma moissonneuse-batteuse, là, elle n'est pas très loin de m'actionner la même puissance que si je la remplaçais par 700 percherons. Voilà d'autres auxiliaires de l'agriculture moderne qui sont également des machines. Vous aurez peut-être reconnu, ou peut-être pas, des usines d'engrais et de phytosanitaires. Comme vous le savez probablement, les rendements des grandes cultures en France ont été multipliés par 3 à 5 après-guerre, en l'espace de quelques décennies, ça a été extrêmement rapide. Et les auxiliaires qui ont permis l'explosion de ces rendements, ils sont au nombre de 3, la mécanisation, les engrais et les phytosanitaires. Les engrais et les phytosanitaires sont fabriqués dans des usines qui sont des auxiliaires mécaniques extrêmement puissants. Donc ces usines, si on devait les remplacer par du travail mécanique et de la chaleur fournie par des individus, eh bien, il faudrait à chaque fois quelques millions d'individus pour remplacer une seule usine. Hein? Donc ces machines extrêmement puissantes, elles ne sont pas dans les champs, mais elles sont au service des champs, puisque, comme vous le savez, aujourd'hui, la quasi-totalité des cultures dites conventionnelles utilisent ces auxiliaires chimiques que sont les engrais de synthèse et les phytosanitaires. Les engrais de synthèse sont fabriqués à partir du gaz. Je pense que vous le savez dans cette école, sinon je vous l'apprends. La chaîne est la suivante. On prend du méthane, on en extrait l'hydrogène, on l'associe à l'azote de l'air pour faire de l'ammoniac, et à partir de là, on fait des ammonitrates, de l'urée, etc., c'est-à-dire le N du NPK. On utilise également des phosphates et de la potasse. Les phosphates et de la potasse viennent de mines, ont été extraits avec des engins de mine qu'on verra dans pas longtemps qui fonctionnent avec du pétrole. Donc en gros, le gaz et le pétrole aujourd'hui sont devenus les principaux moteurs des rendements agricoles dans les pays occidentaux. Nous avons une agriculture de type minière réalisée par des machines, avec 3 agriculteurs qui se baladent là-dedans. Hein, c'est à peu près ça le monde aujourd'hui que nous avons bâti grâce aux combustibles fossiles dans le secteur agricole. Voilà encore un auxiliaire de l'agriculture, c'est un vraquier. Donc celui-là, bah, il transporte par exemple des phosphates d'une mine marocaine quelconque vers un endroit où ils seront, ou canadienne, vers un endroit où ils seront exploités. Cette machine est aussi raisonnablement puissante. Comme vous pouvez le constater, quand le capitaine commence à actionner un vraquier comme ça, ou un porteneur comme ça, eh bien il démultiplie la puissance de ses jambes par 300 000. Pas mal, hein? Pas mal, 300 000.
À cause de ce que je viens de vous dire et d'autres machines qui ont fait irruption dans notre vie, en fait, aujourd'hui, la nourriture est devenue un auxiliaire, exactement, est devenue un sous-produit de l'énergie. Donc vous aurez compris que la culture est devenue un sous-produit de l'énergie, mais le reste de la chaîne alimentaire aussi. Pour que vous ayez ce que vous allez trouver dans votre assiette ou ce que vous allez trouver au bar d'en face, puisque c'est l'époque où vous commencez à le fréquenter assidûment, pour trouver ce que vous allez trouver donc dans l'assiette au bar d'en face, on a besoin aujourd'hui de plein de machines, ou c'est fourni par plein de machines. Alors il y a déjà les tracteurs et les moissonneuses-batteuses dont je viens de vous parler, mais on a besoin d'autres machines. Par exemple, pour fabriquer les engrais et les phytosanitaires, eh bien, j'ai besoin de plateformes pétrolières qui sont des grosses machines. Là, vous avez les usines dont je vous ai parlé pour fabriquer les phytosanitaires et les engrais. Là, vous avez par exemple une mine de phosphate. Après, vous avez besoin de transport intermédiaire. Hein, vous avez besoin de transport pour transporter les récoltes après avoir transporté les intrants. Pour la petite histoire, en France, vous avez un camion sur trois qui transporte quelque chose qui se mange. Hein, donc les transports à l'aval de l'agriculture sont extrêmement importants et vous avez une dépendance à l'aval de l'agriculture, au pétrole, une dépendance au pétrole à l'aval qui est extrêmement importante. Hein. Et si je pousse le raisonnement jusqu'au bout, sans camions aujourd'hui, les villes françaises meurent de faim. Parce que ce n'est pas avec les trois fermes verticales faites par quelques start-upers sortis de l'agro qu'on va nourrir les villes. Hein. Il en faut un peu plus que ça. Donc aujourd'hui, sans camions... J'insiste, hein, sans camions, les villes meurent de faim, littéralement. Vous avez derrière l'industrie agroalimentaire. Alors là aussi, vous avez peut-être les chiffres en tête. Hein. En France, 300 industriels de l'agroalimentaire et 6 distributeurs fabriquent 90% de ce que mangent les gens. Hein, c'est très, très concentré. Donc on a encore des machines dans l'agroalimentaire et des machines pour fabriquer les emballages et des machines pour transporter tout ça et des machines pour réfrigérer et des machines pour cuire. Donc en fait, la nourriture, c'est que des machines. La nourriture, c'est que des machines. Rien de tout ça n'existait il y a quelques siècles. Et à l'époque, évidemment, la nourriture ne ressemblait absolument pas à ce que nous avons aujourd'hui. Pour vous donner quelques exemples, l'irruption de l'énergie dans l'agriculture, comme partout ailleurs, c'est-à-dire des machines, a permis de diviser en termes réels le coût de la nourriture par à peu près 30 en l'espace de 2 siècles, tout en augmentant la quantité de viande mangée par les individus par 5. Aujourd'hui... Quand vous allez acheter de la nourriture et que vous regardez votre ticket de caisse, en fait, ce que contient votre ticket de caisse, c'est tout sauf de la bouffe. Votre ticket de caisse contient le salaire des gens qui tiennent le magasin, qui rangent les produits et qui éventuellement vous les passent à la caisse si c'est dans une grande surface. Ça contient le salaire des gens qui ont fabriqué les rayonnages, le salaire des gens qui ont construit le magasin, le salaire des transporteurs qui ont amené la nourriture, le salaire des gens qui ont fabriqué les camions, le salaire des publicitaires qui ont fait la campagne de pub à la fois pour les produits que vous achetez et pour le magasin dans lequel vous les avez achetés, les quelques dividendes d'actionnaires au passage, enfin, vous achetez tout sauf de la nourriture. En fait, la nourriture elle-même, dans ce que vous achetez, c'est 20% du ticket de caisse. Et comme aujourd'hui, les dépenses alimentaires des Français, c'est 10% de ce qu'ils gagnent, ça veut dire qu'en gros, la nourriture stricto sensu vous coûte 2% de ce que vous gagnez. C'était 60% il y a 2 siècles. Et dans le même temps, je le dis, le prix de la viande, la quantité de viande a été multipliée par 5. On mangeait 20 kilos de viande par personne et par an en 1800. Aujourd'hui, on est descendu en dessous de 100 maintenant, mais on n'est pas très loin entre 80 et 100. Eh bien, tout ça, c'est l'énergie qui l'a permis. Donc l'énergie a augmenté les rendements, enfin les machines, augmenté les quantités produites et considérablement fait baisser les prix. Ce qui veut dire que dans un monde sobre en énergie, une des choses auxquelles il faut s'attendre, c'est que le prix de la nourriture remonte. C'est écrit. Hein. Qu'est-ce que nous allons trouver comme obstacle à ce que ça perdure ? Alors je vous ai dit, il y a un obstacle à l'amont sur l'approvisionnement énergétique. Il faut quelques millions à quelques centaines de millions d'années pour que les combustibles fossiles se forment. Donc ils ne sont pas renouvelables à l'échelle des temps historiques, ce qui veut dire qu'ils sont épuisables. En ce qui concerne le pétrole, qui est le premier combustible fossile utilisé par ordre d'importance dans le monde aujourd'hui, et encore plus que ça dans la zone OCDE, et qui est par essence l'énergie reine des transports, donc c'est l'énergie qui a permis la mondialisation, qui a permis les échanges, qui a permis la spécialisation des étapes de production. Sans transport intermédiaire, vous ne pouvez pas spécialiser les étapes de production, c'est pas possible, hein. Il faut des transports pour communiquer entre étapes de production. Eh bien, le pétrole, dans le monde, il commence déjà à donner des signes de faiblesse, indépendamment de toute question climatique, en ce qui concerne son approvisionnement. Vous avez là un document qui a été édité en 2018, donc maintenant il y a 4 ans, par l'Agence internationale de l'énergie, qui a dit qu'en ce qui concerne le pétrole hors
pétrole de Rochemer qu'on trouve aux États-Unis et sable bitumineux qu'on trouve au Canada. Or, ces deux pétroles-là, la production est passée par un maximum en 2008. Donc 2008, pour les étudiants dans cette école, hein, vous n'étiez pas haut. Hein. Donc ça veut dire que ça fait déjà un certain temps que nous sommes passés par le maximum sur le pétrole. Et quand on regarde ce qui pourrait se passer à l'avenir pour l'Europe, zone dans laquelle nous vivons, voici un graphique, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, qui émane d'un document que nous avons produit au Shift Project. Alors nous avons posé au Shift Project à trois personnes qui sont respectivement l'ancien patron de l'exploration de chez Total, l'ancien patron de l'évaluation des gisements chez Total et l'ancien analyste pétrole de l'Agence internationale de l'énergie. On leur a posé la question, dites-nous ce que les 16 premiers fournisseurs de l'Europe, dans lesquels vous reconnaissez la Russie tout en bas, là, en bleu, dites-nous ce que les 16 premiers fournisseurs de l'Europe pourraient produire à l'avenir sur la base d'une base de données qui recense la totalité des gisements dans le monde, exploités ou pas. Donc on leur a fourni cette base de données qui coûte un bras normalement, qu'on a eu pour une bouchée de pain, heureusement, qu'à le dire. Et on leur a dit, analysez-nous ça et dites-nous ce que vous en pensez. Et alors ce qu'ils en pensent, c'est le graphique que vous avez là, sachant que le trait noir vertical, c'est là où nous sommes juste avant le Covid. Et ce qu'ils disent, c'est il est peu probable que la production de pétrole futur remonte au niveau pré-Covid. Et de toute façon, même si elle y remonte, assez rapidement, elle va se mettre à décliner. Et les 16 premiers fournisseurs de l'Europe, qui sont par ailleurs les 16 premiers producteurs dans le monde, hors Brésil et Canada, devraient voir leur production pétrolière divisée par plus de 2 entre aujourd'hui et 2050. Et là, il s'agit bien de la production. Ce qui veut dire que les exportations qu'ils sont capables de faire en Europe vont baisser beaucoup plus vite, puisqu'ils vont évidemment conserver une part croissante du pétrole qu'ils produisent pour leur population domestique. Donc les importations de pétrole en Europe, sachant que l'Union européenne importe 95% du pétrole qu'elle consomme, les importations de pétrole en Europe, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Poutine, de toute façon, vont être divisées par 2 à 10 dans les 30 ans qui viennent. Par 2 à 10. Sachant que se nourrir aujourd'hui, je le répète, dépend massivement des engrais, de la mécanisation et des transports à aval. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? Bon. Donc ça, c'est pour la partie pétrole. Pour le gaz, ça va suivre pas longtemps derrière, 10-15 ans de décalage, indépendamment de toute question climatique. Alors après, il y a le climat. Et maintenant, je vais vous parler un peu plus du climat. Je ne vais pas vous en parler longuement. Il y a plein d'exposés qui tournent sur Internet, sur l'exposé enfin, de ma pomme sur le sujet climatique. Donc, comme dirait l'autre, vous n'avez qu'à aller voir. Je vais juste vous sortir un graphique qui vous donne le cahier des charges de l'action. Ce graphique, il vous explique comment varie l'élévation de température planétaire en fonction de la totalité du CO2 qu'on a mis dans l'atmosphère. Alors pourquoi on s'intéresse à la totalité du CO2 qu'on met dans l'atmosphère ? Tout simplement parce que le CO2, ce que vous savez probablement dans cette école, étant un oxyde, c'est une molécule très stable, parce que les oxydes ont le bon goût, d'être, ou le mauvais goût du reste, d'être des molécules extrêmement stables. Et donc, une fois qu'il est dans l'air, le CO2 a les plus grandes difficultés à en sortir. Donc ce qui compte, en ce qui concerne le CO2, pour l'élévation de température que nous avons, c'est essentiellement la quantité totale qu'on émet. À fin 2020, l'humanité avait émis de l'ordre de 2300 milliards de tonnes de CO2, conduisant, à fin 2020, à un réchauffement planétaire qui est de l'ordre de 1 degré, pas grand-chose. 1,1 degré, il y a des petites incertitudes sur les mesures, on va dire de l'ordre de 1,1 degré. À ce niveau d'élévation, on a déjà constaté un certain nombre de désordres. Par exemple, le pourtour du bassin méditerranéen a commencé à s'assécher. Par exemple, l'Ouest américain vit actuellement une sécheresse millénaire et qui a peu de chances de s'en aller. Par exemple, le Canada a connu 50 degrés l'été dernier, de même que la Sicile. Par exemple, on commence maintenant à avoir des ouragans qui s'intensifient de catégorie 1 à catégorie 5 en 24 heures, ce que on n'avait pas vu avant. Par exemple, on se met à avoir des pluies diluviennes à certains endroits qu'on n'avait pas vu avant non plus, comme par exemple en Belgique et en Allemagne, il n'y a pas très longtemps aussi, où il y a eu plus de 100 morts à cause des inondations. Alors ça reste 100 morts, ce n'est pas très grave devant la tabagie ou la circulation routière, mais ça montre qu'on commence à avoir des trucs qui sortent du bruit de fond. Malheureusement, ça n'est que le début. Hein. Donc ça, c'est 1,1 degré quelque chose. Si on veut jouer au jeu de l'accord de Paris, à ce moment, il faut qu'on se limite à 1,5 degré de réchauffement planétaire,
Ce qui veut dire qu'on doit se limiter à 3 000 milliards de tonnes de CO2 émis en totalité jusqu'à 2100, puisque les 1,5 degrés c'est 2100, dont 2300 ont déjà été émises. Donc il nous reste 700 milliards de tonnes à émettre versus 2300 déjà émises, 700 milliards pour les 80 ans qui viennent, avec une humanité qui en moyenne fait 9 milliards d'individus. Un peu moins maintenant, un peu plus tard, un peu moins derrière. Hein ? Alors que sur la période sur laquelle nous avons émis les 2300 milliards de tonnes, on va dire le siècle qui vient de s'écouler, l'humanité se baladait plutôt aux alentours de 3 milliards d'individus en moyenne. Une autre manière de dire la même chose, c'est qu'un enfant qui naît aujourd'hui, si on veut respecter les 1,5 degrés d'élévation planétaire, il a le droit à sa vie durant, en supposant qu'il meurt à 80 ans, ce qui, dans les conditions actuelles, est peut-être optimiste, j'en sais rien, il a le droit à sa vie durant à un huitième des émissions que ses grands-parents, en supposant qu'ils soient morts à 80 ans et aujourd'hui, auront eu sur leur vie. Hein ? Donc il a droit au huitième des émissions de son grand-père ou de sa grand-mère, qui est né juste après-guerre, dans un monde dans lequel il y avait 2 millions de voitures, aujourd'hui il y en a 40, dans un monde dans lequel il n'y avait pas l'avion, alors qu'aujourd'hui je pense qu'à peu près tous les gens dans cette salle l'ont pris, et dans un monde dans lequel il n'y avait pas la télévision, et il n'y avait pas, un certain nombre de trucs n'existaient pas, les congés payés, tout juste, en 45. Donc c'est un monde qui est quand même très différent du monde dans lequel nous vivons. Eh bien, la transformation du monde a émis par individu 8 fois plus que ce qu'il faudrait que mon individu émette s'il naît aujourd'hui pour qu'on respecte les 1,5 degrés, sachant que la machinerie fossile est ce qui a construit le monde moderne. Bon, vous comprenez qu'il va falloir un peu plus que des déclarations de campagne pour y arriver. Hein. Et si on joue la version faible de l'accord de Paris, c'est-à-dire 2 degrés, mais à 2 degrés, tous les coraux tropicaux sont morts. À 2 degrés, alors déjà qu'à 1,1 degré, les forestiers commencent à me dire que les épicéas et les hêtres, il va probablement falloir leur dire adieu en France, sauf rares zones de montagne. À 2 degrés, là c'est sûr qu'on n'en a plus. Enfin voilà, donc à 2 degrés, le pourtour du bassin méditerranéen s'est asséché de 20%. Hein, donc on n'est pas en train de parler de pécadilles. Même pour se limiter à 2 degrés, il faut limiter les émissions planétaires à 3 500 milliards de tonnes en cumulé, alors que 2300 ont déjà été émises, etc. Je vous déroule le raisonnement. Ça veut dire que mon bébé qui naît aujourd'hui, il a entre le 5e et le 6e des émissions de n'importe lequel de ses grands-parents qui meurent aujourd'hui. Voilà. C'est ça le cahier des charges des 2 degrés. Hein ? Je le répète, je pense qu'il va falloir un peu plus que des slogans de campagne pour y arriver. Hein, et j'espère que vous irez tous voter et que vous avez tous voté, mais en attendant, une analyse qu'on a faite au Chiffre Project montre qu'aucun des candidats n'était vraiment au niveau, en ce qu'il y a eu des interprétations qui n'engagent que les gens qui les ont faites, mais aucun des candidats n'était vraiment au niveau en ce qui concerne ce sujet-là. Et quand bien même ils ont essayé d'être sérieux sur ce sujet-là, ils disaient en dehors de ce sujet-là des choses qui parfois étaient totalement orthogonales à ce qu'il faut faire. Hein, voilà. Une des conséquences de cette affaire-là, c'est que si on veut jouer ne serait-ce que les 2 degrés, il faut à partir de maintenant baisser de 5% par an, tous les ans sur la planète dans son ensemble, les émissions de gaz à effet de serre. Alors, je vais vous donner 2 années où les émissions ont baissé de 5%. Une première, ça a été 2020. Je suis sûr que vous avez adoré 2020, claquemuré chez vous pendant toute l'année. Vous avez sûrement trouvé ça très drôle. Voilà une année où les émissions ont baissé de 5%. Mais c'est une année. Puis l'année d'après, il faut 5% de plus. Donc on ne vous laisse pas sortir de chez vous, puis on en rajoute une couche. D'accord ? Puis l'année d'après, hop, encore une couche, encore 5% de moins. Hein, voilà, c'est ça qu'il faut avoir sur la planète dans son ensemble si on veut viser une limitation du réchauffement à 2 degrés. Alors peut-être une partie de ces 5%, on va les avoir grâce à ce que j'ai dit sur le pétrole, il va y avoir un effondrement économique et ça fera le job. C'est ce qui nous attend si on ne le fait pas de nous-mêmes pour des raisons climatiques. Ça sera l'un ou l'autre. On n'a pas tellement le choix. Hein. Et je suis même moi suffisamment jeune, enfin j'espère, malheureusement pour en voir une partie si on fait n'importe quoi. Donc on n'est pas en train de parler de choses qui vont arriver dans 3 siècles. On est en train de parler de choses qui concernent les décennies qui viennent. Donc les 2 degrés, ça veut dire des émissions qui baissent de 5% tous les ans, ou dit encore autrement, qui sont divisées par 3 d'ici à ce que ma fille aînée ait mon âge. Voilà, en gros. C'est à peu près ça que ça veut dire. Hein.
Alors, si on veut diviser les émissions par trois, c'est bien de savoir où elles sont. Donc, je vais vous faire un petit panorama des émissions mondiales. Puis après, on fera un focus sur les émissions agricoles. 20% des émissions planétaires viennent aujourd'hui des seules centrales à charbon, dont la moitié se trouve en Chine. Donc, dès que vous achetez un truc made in China, vous achetez un truc made in charbon. Donc, essayez d'éviter d'acheter des trucs faits en Chine. C'est pas facile, hein. Moi, j'ai dû changer mon frigo il n'y a pas longtemps. Je suis allé chez un distributeur que je ne nommerai pas et j'ai dit, je voudrais un frigo fabriqué en France. Alors, le distributeur me regarde, le vendeur me regarde. Le mec est complètement tombé sur la tête, c'est la première fois qu'on me demande ça. Il dit, ça n'existe pas. Bon, très bien. Europe, peut-être. Ça, Europe, j'ai trouvé. Mais sinon, les deux tiers venaient de Chine. Et si vous essayez d'acheter aujourd'hui une casserole ou une paire de couverts qui viennent d'ailleurs de Chine, bon courage, quoi. Voilà. Mangez avec les doigts. Donc, 20% des émissions de gaz à effet de serre viennent des centrales à charbon, je répète, dont la moitié en Chine. Inversement, le charbon est un phénomène à 80% asiatique dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quasiment 80% de la consommation de charbon dans le monde est faite en Asie, la moitié en Chine. Vous rajoutez le Japon, l'Inde, toute l'Asie du Sud-Est, là, Philippines, Thaïlande, etc., plus l'Australie, et vous arrivez quasiment à 80%. C'est quand les banquiers français disent on financera pas le charbon, ça ou rien, c'est pareil, parce que de toute façon, il n'y a pas de charbon à financer dans la zone OCDE. Et que le charbon asiatique leur est pas accessible. Donc c'est vraiment, ça leur coûte rien de dire ça. Je vous dis ça ou rien, c'est. Voilà. S'ils disaient qu'ils arrêtaient de financer l'industrie automobile ou la grande distribution, ce serait une autre paire de manches. Mais charbon. Donc 20% les centrales à charbon. 7 à 8% les centrales à gaz. Le gaz a beau être naturel, il est fossile. Le charbon est tout aussi naturel et le pétrole est tout aussi naturel. Hein. Donc gaz naturel, fossile, est utilisé pour la production électrique. Tiens, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez qu'en France, aujourd'hui, on peut ouvrir une nouvelle centrale nucléaire sans que vous en entendiez parler? C'est peu probable. Est-ce que vous pensez qu'on peut ouvrir une nouvelle centrale à gaz dans ce pays sans que vous en entendiez parler? Tous les jours, non. Mais il y a une centrale à gaz qui a ouvert il n'y a pas très longtemps dans ce pays. Je ne suis pas sûr que vous en ayez entendu parler. En Bretagne, il y a Landivisio. Est-ce qu'il y a une personne dans la salle qui est au courant? Une. Voilà. Voilà, non, c'est juste pour vous dire que la communication et la réalité du monde, parfois ça fait deux, hein. Parfois même ça fait trois. 8% donc les centrales à gaz. 4% c'est les cimenteries. Alors pourquoi j'ai séparé les cimenteries? Parce que les cimenteries sont des procédés. Enfin, dans les cimenteries, vous avez un procédé industriel où les deux tiers des émissions ne viennent pas de la combustion, mais ça vient du fait que vous cassez en deux des molécules de calcaire, carbonate de calcium, pour faire d'un côté de la chaux vive, que vous mélangez à des potes de perlimpinpin diverses, de la marne, de l'argile, etc. Ça vous fait du ciment, enfin du clinker, puis on le broie, ça fait du ciment. Et de l'autre côté, et c'est du reste pour ça que le ciment est très agressif, c'est parce qu'il contient de la chaux vive. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà manipulé, qui ont fait un peu de maçonnerie à main nue, là, en général, vous aurez remarqué qu'à la fin de la journée, ça vous a bouffé les mains. Hein. Eh bien, c'est à cause de ça, c'est parce que le ciment est très agressif, parce qu'il contient de la chaux vive. Donc l'essentiel des émissions des cimenteries viennent, c'est des émissions de procédés, c'est pas des émissions de combustion. Donc les cimenteries dans le monde, c'est 4% des émissions. Le reste de l'industrie, c'est 12, mais là-dedans, vous avez encore 4 pour les aciéries et vous avez 4 pour la chimie de base, en gros. Hein. Dans laquelle, la chimie de base, vous avez 700 millions de tonnes d'hydrogène produits par an qui font 7 milliards à peu près. Tonnes de CO. Non, pas 700, 70 millions, pardon. 70 millions de tonnes d'hydrogène qui font 700 millions de tonnes de CO2, puisque ça va pour être 10 tonnes de CO2, pour faire des engrais, pour la moitié. L'hydrogène qu'on fait aujourd'hui dans le monde sert pour la moitié à faire de l'ammoniac puis des engrais. 5% des émissions, c'est les bâtiments. Le chauffage des bâtiments qui existe au moyen de latitude, qui n'existe évidemment pas dans les pays tropicaux. 14 à 15% c'est les transports, là-dedans vous avez 6% pour les voitures, 4% pour les camions, 2% pour la marine marchande et l'aviation. Après on va passer à l'agriculture. L'agriculture représente un petit 20% des émissions. Je ferai le détail tout à l'heure sur ce qu'on va trouver dans les émissions agricoles, donc je ne vous en dis pas plus pour le moment. La déforestation représente 10% des émissions et la déforestation est, comme vous le savez normalement dans cette école, un processus amont de l'activité agricole. L'essentiel de la déforestation sur Terre consiste à supprimer des forêts pour créer de nouvelles surfaces agricoles.
C'est ça l'essentiel de la déforestation. Il y a un peu d'étalement urbain, mais c'est marginal. Il y a un peu de bois de feu en Afrique, mais l'essentiel, encore une fois, c'est pour obtenir de nouvelles surfaces agricoles. Et c'est un processus qui a pris place sur tous les continents et à toutes les époques, dès lors que la population a cru. Le taux de couverture forestière de l'Europe médiévale, de l'Europe du Nord médiévale, aux alentours de l'an 1000, était de l'ordre de 80%. Le taux de couverture forestière de la même zone aujourd'hui est de l'ordre de 20%. Quand la population européenne a débarqué aux États-Unis, elle a massivement déforesté au cours du 19e siècle. Et aujourd'hui, là où la population est en croissance rapide, Amérique du Sud, Asie du Sud-Est, on est en phase de déforestation rapide. Alors le commerce international en rajoute, parce que la consommation de produits importés de ces régions-là, notamment pour nourrir du bétail, des pays occidentaux en rajoute, mais le premier déterminant, c'est la croissance de la population domestique. Hein, c'est en général ça le premier déterminant. Et enfin, 7%. Des émissions, ça vient de processus divers, la gestion des déchets, les émissions de méthane, ça vient de, et la combustion des plastiques dans les déchets, ça vient des fuites de fluides frigorigènes qu'on utilise dans la réfrigération. Voilà, c'est ça les émissions des procédés divers. L'utilisation de l'énergie dans cette affaire compte pour à peu près 60% des émissions, donc vous voyez que c'est un gros paquet, mais ce n'est pas la totalité. Donc on ne peut pas réduire la question du changement climatique ou plus exactement des émissions de gaz à effet de serre, à la question de la transition énergétique. Hein? La décarbonation va au-delà de la transition énergétique. Vous avez également un sujet, notamment agricole, qui est absolument majeur, puisque vous voyez que si vous mettez bout à bout la déforestation, les émissions d'origine agricole, et derrière la partie de l'industrie et des transports qui sert la fonction alimentaire, fabriquer les plastiques pour les emballages, fabriquer le métal pour les emballages, alimenter les camions et même alimenter les voitures des gens qui vont au supermarché. La fonction alimentaire représente de l'ordre du tiers des émissions mondiales. Donc on n'est pas en train de parler de cacahuètes. Hein, on est en train de parler de quelque chose qui est absolument majeur dans les émissions planétaires. Si je regarde d'où viennent mes émissions agricoles, tout confondu. Alors voilà un panorama. Donc vous retrouvez la déforestation, qui compte pour en gros un tiers, c'est un peu plus d'un tiers dans ce que j'ai dit. Vous avez le CO2 des tracteurs. Et vous voyez que le CO2 des tracteurs, c'est pas grand-chose dans l'affaire. Alors certes, les tracteurs sont des auxiliaires mécaniques extraordinaires, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est eux qui travaillent la terre à la place des agriculteurs aujourd'hui. Par contre, en termes d'émissions directes, dans l'ensemble des émissions d'origine agricole, là c'est une vision planétaire, hein, ils ne comptent que pour quelques pourcents. Ce que vous allez trouver hors déforestation, c'est d'abord les émissions de protoxyde d'azote qui fait suite à l'épandage des engrais azotés. Quand vous épandez dans les champs des engrais azotés, qu'ils soient de synthèse ou que ce soit des excréments animaux, ça ne fait pas une grosse différence, le taux d'émission n'est pas le même, mais il y a des émissions dans les deux cas de figure, vous avez une partie des nitrates contenus dans ces engrais qui sont réduits par l'activité microbienne des sols et qui conduisent à une émission de protoxyde d'azote. Le protoxyde d'azote est un gaz à effet de serre qui est de l'ordre de 250 fois, plus 268, enfin ça varie en fonction des rapports du GIEC, mais aujourd'hui c'est 268, 268 fois plus puissant que le CO2, c'est-à-dire que d'émettre un kilo de protoxyde d'azote, c'est comme émettre 268 kilos de CO2 en ce qui concerne la perturbation climatique. Après, vous avez du méthane, qui est un autre gaz à effet de serre, donc le méthane c'est CH4, hein, c'est la même molécule que le constituant principal du gaz naturel. Et ces émissions de méthane, elles proviennent sur Terre à parité de deux processus. Le premier, c'est les rizières. Donc dans les rizières sont des marécages artificiels. Et dans un marécage, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des débris organiques qui sont décomposés à l'abri de l'oxygène de l'air. Vous avez une décomposition anaérobie, hein, comme dans un digesteur. Et cette décomposition anaérobie, sous l'effet des archées, vous produit du méthane. Hein. Donc ça, c'est ce qui se passe dans les rizières. Et l'autre moitié du méthane vient d'un autre processus de fermentation anaérobie, sauf que celui-là, il a lieu dans la panse des vaches, enfin plus exactement dans la panse des ruminants. Vous avez 1,5 milliard de bovins sur Terre. Hein. Le poids des bovins est égal, la biomasse des bovins est égale à la biomasse des êtres humains sur Terre. On l'oublie un peu, parce que les vaches ne sont pas en ville, alors que les êtres humains habitent en ville. Voilà. Enfin, les vaches à quatre pattes n'habitent pas en ville. Deux pattes, ça se discute. Donc, on a une biomasse importante d'animaux domestiques qui émet pour la partie qui sont des ruminants du méthane. Je vous parlais tout à l'heure de déforestation, ça c'est un petit focus.
Si je regarde la France, alors je ne vous ai pas fait une décomposition par processus des émissions françaises. Par contre, je vous propose pour la France une décomposition par processus des cultures qui sont à l'origine de ce qu'on appelle la déforestation importée. Un Européen importe en moyenne chaque année la déforestation de quelques arbres. Hein, quelques arbres par Européen et par an, en gros. Cette déforestation, elle est liée à la mise en culture de surfaces qui étaient auparavant occupées par la forêt. Et les cultures qui en sont à l'origine, vous les avez là, enfin les cultures ou les pratiques agricoles. Hein. Donc vous avez une partie de la déforestation qui est opérée pour pouvoir cultiver du soja, que vous voyez là. Une partie est opérée pour cultiver du cacao. Une partie est opérée pour faire pâturer des bovins. Voilà, donc vous avez encore le café. Donc voilà les quelques cultures qui sont à l'origine de ce qu'on appelle la déforestation importée. Alors c'est emmerdant parce que le chocolat c'est bon pour le moral. Mais bon. Le soja est utilisé, comme vous le savez, pas tellement pour l'alimentation humaine, hein, il est surtout utilisé pour l'alimentation animale. Donc en fait, la déforestation importée est liée à quelques cultures particulières, café, cacao, et pour une large part à l'alimentation animale. Si je regarde maintenant les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à la chaîne alimentaire que nous avons en France, c'est encore une autre manière de les regarder. Alors je vais vous décomposer maintenant les émissions qui ont lieu dans le processus de faire parvenir la nourriture jusqu'à vos gosiers. Vous avez une première étape dans cette affaire, c'est mes usines d'engrais et de phytosanitaires, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui représentent, comme vous pouvez le voir, à peu près 9% de l'empreinte carbone de l'alimentation. Après, vous avez les processus agricoles qui prennent place directement dans les champs, dont vous voyez qu'ils représentent la majorité des émissions de la chaîne agricole. Après, vous avez l'énergie qui est utilisée par les engins pour la culture, qui représente quelques pourcents supplémentaires. Après, vous avez les transports, qui représentent encore quelques pourcents supplémentaires, de l'ordre de 10. Après, vous avez l'industrie agroalimentaire qui arrive derrière, qui également utilise de l'énergie et donc émet. Puis ensuite, de temps en temps, vous avez un peu de fermentation dans les déchets organiques, dans ces déchets. Et enfin, vous avez tout à fait à la fin le consommateur qui vient chercher sa nourriture. Et vous vivez en ville et vous avez une supérette à côté. Mais vous avez une bonne partie du pays dans lequel vous n'avez pas de supérette à côté et les gens se déplacent en voiture. C'est en général ceux qui rouspètent en premier quand le prix du carburant monte. Et ceux-là vont faire leurs courses en voiture. Donc vous avez également un segment terminal qui concerne le consommateur qui va au magasin. Et enfin, vous avez le stockage et les émissions du magasin, pardon. Et enfin, les émissions de cuisson au domicile. Sans oublier, tout à fait à la fin, les émissions dues à la fermentation des déchets organiques. Parce que les épluchures de patates, même si vous ne jetez rien dans ce que vous mangez, vous avez de temps en temps quelques épluchures. Je ne sais pas si vous mangez les épluchures d'oignons, par exemple. Il faut vraiment être très convaincu pour le faire. Ou la peau des gousses d'ail. Voilà, très convaincu pour faire ce genre de truc. Donc vous avez quelques déchets organiques qui vont fermenter. Donc là, vous avez une décomposition de l'empreinte carbone de l'alimentation dans notre pays. Et vous voyez que si nous voulons diviser ça par 3 en 30 ans ou faire baisser ça de 5% par an, bah, faut pas mollir et faut y aller partout. Parce que en 2 ans de baisse, vous voyez par exemple, si je ne m'attaque qu'au transport, eh bien, il me faut 3 ans de baisse pour supprimer les transports. Enfin, sauf que si j'ai plus de transport, tout le reste disparaît. Donc c'est compliqué de faire ça juste sur les transports en 3 ans. Vous voyez, hein, 5% par an, c'est beaucoup, hein, beaucoup, 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 beaucoup. Hein. On n'a pas idée. Hein. C'est une révolution. Il y a le patron d'une grande banque de la place avec qui j'ai discuté il y a quelques semaines, sans que je lui demande rien, je ne lui ai pas fait d'exposé, qui m'a dit la décarbonation de l'économie, en fait, ça veut dire passer en économie de guerre. Il me l'a dit spontanément. Hein. Je pense que c'est une expression que j'avais déjà utilisée. Je pense que c'est à peu près ça qu'il faut avoir en tête. Hein, je pense que c'est à peu près ça qu'il faut avoir en tête, hein, en termes d'intensité de l'effort. L'empreinte carbone n'est évidemment pas la même en fonction du type de produit et même au sein, par exemple, des productions animales.
vous voyez que l'empreinte carbone, en fonction du type de viande, alors c'est, là, ce n'est pas en valeur absolue, hein, c'est en pourcentage, ne provient pas des mêmes processus. En ce qui concerne les bovins, vous voyez que vous avez essentiellement la fermentation entérique qui joue, et puis après, vous avez d'autres compartiments. En ce qui concerne la viande, c'est les effluents. En ce qui concerne les laitiers, c'est les intrants. Mais si vous passez chez les porcins ou la volaille, ce qui va compter avant tout, c'est l'alimentation. Parce que les monogastriques, enfin sauf vous quand vous rotez un peu, mais normalement n'ont pas d'émanation en provenance de leur estomac, ou en tout cas pas de manière extrêmement significative. Bon, ça je vais passer parce que c'est un peu compliqué. Je vais finir avec deux graphiques. Le premier, il est pour illustrer la concurrence d'usage des sols. Vous savez que vous êtes dans un monde dans lequel vous utilisez, vous, les sols, pour pratiquer de l'agriculture. Il se trouve que ces sols, nous avons la disposition de la totalité des sols depuis que nous sommes passés aux combustibles fossiles. Oui, c'est ça. À l'époque des énergies renouvelables, une bonne partie de l'énergie renouvelable qu'on utilisait était l'énergie domestiquée d'autres êtres biologiques, et notamment les animaux de trait. Pour avoir d'autres... D'accord ? Nos esclaves de l'époque étaient soit des animaux domestiqués, mais pas des machines, soit d'autres êtres humains. Mais enfin, il faut quand même les nourrir pour qu'ils restent des esclaves, sinon ils meurent, il n'y en a plus d'esclaves. Donc, avant les combustibles fossiles, les énergies renouvelables étaient très gourmandes en sol pour tout ce qui était issu de la biomasse, qui servait notamment à avoir de l'énergie mécanique avec des animaux de trait ou avec des esclaves. C'est également du sol que provenait l'essentiel de l'énergie de combustion, c'est-à-dire du bois. Donc, avant les énergies fossiles, la totalité de l'énergie nous était fournie par le sol. En passant aux énergies fossiles, nous avons libéré la totalité du sol pour faire autre chose. Puisque les machines aujourd'hui mangent du sous-sol. Les combustibles fossiles, c'est du sous-sol. En revenant aux énergies renouvelables, nous allons de nouveau avoir un problème de concurrence d'usage du sol. D'aucuns réclament le sol pour faire pousser ce qu'on mange, pendant que d'autres réclament le sol pour faire pousser ce qui serait mangé par nos machines, c'est-à-dire des agrocarburants ou du biogaz, pendant que d'autres réclament le sol pour y faire pousser du matériau, du bois, du chanvre, du lin, du coton, et pendant que d'autres encore, peut-être même dans cette salle, je ne sais pas, réclament le sol pour foutre la paix à la nature, c'est-à-dire la biodiversité. Tous ces usages sont concurrents entre eux. Et au surplus, ces usages vont rester concurrents entre eux dans un monde dans lequel nous aurons moins de combustibles fossiles, donc une tentation accrue de recourir au sol pour avoir de l'énergie renouvelable, et dans un contexte dans lequel le changement climatique va baisser les rendements agricoles, ainsi que, in fine, la moindre disponibilité du gaz et du pétrole. Donc on se prépare un monde dans lequel la concurrence d'usage du sol va s'exacerber. Hein, c'est écrit. Et alors ce graphique, il est juste là pour rappeler que, historiquement, une bonne partie, c'est un chercheur pas très loin d'ici, puisqu'il est à Jussieu, qui a publié ça. Et en fait, ce qu'il a publié ici, la courbe intéressante, c'est ces deux courbes-là, qui vous donnent l'énergie contenue dans la biomasse versus... Attendez, non, c'est pas ça. C'est ça, c'est le surplus agricole qui est dégagé grâce à l'utilisation des combustibles fossiles que vous avez là. Sauf que si on faisait ce surplus agricole pour faire juste de l'énergie, en gros, on réussirait juste à alimenter la ferme productive d'aujourd'hui avec l'énergie qu'elle a fournie. Hein, si on se servait de toute l'énergie biomasse pour faire les engrais et faire le machinisme agricole, en fait, ça serait un truc de shaddock. Il n'y aurait rien d'exportable en dehors de la ferme pour se nourrir. Hein, c'est ça que dit ce graphique. C'est une autre manière de dire qu'aujourd'hui, une exploitation agricole est un convertisseur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une exploitation minière, c'est un convertisseur d'énergie fossile en choses qui se mangent. Mais si on doit reprélever sur la ferme de quoi garder les rendements actuels et mécaniser l'agriculture, en fait, il ne reste pas grand-chose pour nous. C'est une autre manière de dire que quand on reviendra aux énergies renouvelables, les rendements agricoles vont se casser la figure. C'est écrit. Hein, c'est écrit. Voilà, ben j'avais la légende en plus. Dernier point. Dans la stratégie nationale bas carbone,
que vous avez ici. Les émissions directes de tous les secteurs doivent baisser. Donc vous voyez que les émissions directes de l'agriculture qui sont là, puis là, puis là, doivent fortement baisser. Mais vous voyez également un truc qui s'appelle puits. Est-ce que vous savez de quoi on parle quand on parle de puits ? Oui, c'est ça. C'est pas le truc qui permet d'aller chercher de l'eau. Et où on n'est pas bien si on tombe dedans quand personne ne vous regarde. Où on planque les cadavres dans les bons polars. C'est un endroit où vous pouvez stocker du carbone. Dans la stratégie nationale bas carbone, la raison pour laquelle nous arrivons à devenir neutre en 2050, outre le fait qu'on a baissé les émissions directes par un facteur sur lequel on est absolument, enfin aujourd'hui on n'est absolument pas on track là-dessus, il y a un tout petit truc qui est rarement évoqué, c'est que les puits doublent. Donc la stratégie nationale bas carbone, elle présuppose que dans un contexte de concurrence exacerbée des sols et de changement climatique qui va zigouiller une partie des arbres et baisser le rendement des cultures, on va augmenter le stock de carbone sur pied et le stock de carbone dans le sol. Bon. Pour le moment, on est sur de l'hypothèse non démontrée. Et j'insiste énormément là-dessus. L'idée que dans le contexte que je viens d'évoquer, on pourrait doubler les puits comme ça, puis avec l'argent qu'on y met et avec le jus de cerveau qu'on y met, relève évidemment du vœu pieux. Hein, ça relève évidemment du vœu pieux. Il n'y a pas le début aujourd'hui de quelque chose de sérieux pour être sûr que c'est bien dans cette direction qu'on va aller. Pire, quand vous regardez, du reste, il s'est fait débarquer il n'y a pas longtemps, je ne sais pas s'il y a un lien entre les deux, mais il y a eu une interview du directeur général de l'ONF il n'y a pas très longtemps paru dans les Échos, dans lequel il expliquait qu'il y avait déjà 10% de la forêt française qui était condamnée. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, je ne suis pas sûr que les puits vont fortement se développer sans qu'on s'en occupe un tout petit peu, ce qui aujourd'hui n'est absolument pas le cas. Voilà, j'ai fini mon petit exposé introductif. Et donc maintenant, si j'ai bien compris, on passe aux questions. Est-ce qu'il y a des questions ? Bah, merci beaucoup déjà pour cette conférence. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Non, aucune pour l'instant. Ah. Normalement, il y avait des questions d'étudiants. Oui, oui. Hein. Un resquilleur. On apprend à tout âge. Voilà. Les émissions de l'agriculture, mais vous ne comptez pas ce qu'elle capte. On voit que des process d'agroécologie ou ce qu'avait proposé le FOL, les 4 pour 1000, là, dans le stockage du carbone, disons que théoriquement, l'agriculture devrait supprimer du carbone. C'est là. C'est typiquement ce qui est dans la partie puits. Historiquement... Ce que disait le FOL, enfin à l'époque, c'est qu'en fait, si on captait 4 pour 1000, on arriverait finalement à avoir une... Absolument. Alors je vais commencer par faire une réponse taquine, c'est qu'avec des si, on met Paris en bouteille, comme vous le savez. Donc la bonne question, c'est qu'est-ce qu'on arrive à capter ? Par ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé historiquement avec les sols agricoles ? L'exact inverse. Quand vous coupez une forêt et que vous commencez à labourer le sol qu'il y a sous la forêt, la première chose qui se passe, c'est que vous déstockez du carbone. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, en fait, globalement, les sols agricoles, ils ne stockent pas de carbone. Ils ont plutôt tendance un tout petit peu à en déstocker. La manière dont il faut opérer pour stocker du carbone dans les sols, c'est encore un sujet de débat. Parce que j'ai vu passer il n'y a pas longtemps un papier qui disait que même l'arrêt du labour, en fait, ça déplaçait le carbone dans les étages du sol et que ce n'était pas aussi simple que ça se met à en remettre. Mais bon, il y a un sujet effectivement de remise du carbone dans les sols agricoles et qui passe a priori par deux techniques qui sont l'arrêt du labour et l'agroforesterie. L'agroforesterie est quelque chose qui consiste à faire l'exact inverse de ce qu'on a fait sur les dernières décennies, c'est-à-dire supprimer tout ce qui est un obstacle au passage du tracteur. Donc c'est évident que si on veut remettre du carbone dans les sols, il va falloir faire pour partie l'inverse de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant,
c'est-à-dire optimiser un paramètre qui est un paramètre physique, en l'occurrence biologique, au détriment d'un paramètre économique, alors que ça fait des décennies qu'on fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on dégrade un certain nombre de paramètres biologiques au profit d'un paramètre économique. C'est ce qu'on a fait très exactement. Donc ça participe d'un contrat social dans lequel la population est globalement à minima accepte, au mieux désire, de voir le prix de la nourriture monter, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que les modes de production deviennent, entre guillemets, plus durables. Voilà, ça s'inscrit typiquement dans ce genre de schéma. Tant qu'on considérera que dans l'agriculture, le premier paramètre est un paramètre de rendement économique sur le prix de la denrée agricole, ce qui est ce qu'on fait aujourd'hui, il n'y a que très peu de marge de manœuvre pour faire considérablement mieux sur le plan des services écosystémiques dont le stockage du carbone dans le sol fait partie. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on confie à l'agriculture un rôle qui n'est pas juste tant que ça passe de produire le plus possible au moindre prix possible. Sinon, on ne peut pas stocker du carbone de façon significative dans les sols. Après, il faut bien voir que le potentiel de stockage de carbone dans les sols, il n'est pas infini. C'est-à-dire que la courbe de déstockage du carbone, quand on met le sol en culture, elle fait comme ça, il y a une asymptote, hein, et la courbe de restockage du carbone dans le sol, une fois qu'on arrête, une fois qu'on lui fiche la paix, elle fait comme ça. Voilà, oui, je suis d'accord. Mais, voilà. Donc oui, effectivement, on pourrait faire ce genre de choses, mais il faut lui donner une valeur. Alors il y a deux manières de faire de donner une valeur à quelque chose, hein. C'est la manière réglementaire ou la manière par les prix. Donc on pourrait dire aux gens, si vous ne labourez pas, je vous achète votre production plus cher. Ça, c'est la manière par les prix. On peut dire aux agriculteurs, c'est interdit de labourer, du coup ça vaut ce que ça vaut, et les gens derrière vous l'achèteront à ce que ça vaut. Alors aujourd'hui, la politique agricole commune, pour ce que j'en connais, parce que c'est un des trucs les plus... il faut une vie d'homme pour arriver à comprendre ce qu'il y a dedans. Mais pour ce que j'en connais, et même parfois plusieurs, elle continue essentiellement à privilégier une vision marché et rendement au détriment d'une vision durabilité et service écosystémique, si je dis les choses un peu rapidement. Et elle est directement issue, sans avoir été beaucoup changée depuis, de l'immédiate après-guerre où la question était de nourrir le plus de monde possible pour le moins cher possible parce que c'était ça l'urgence, et depuis on n'a jamais remis en question les fondamentaux de la politique en question. Le frein vient de tout le monde. Il vient du consommateur final qui aujourd'hui n'a que modérément envie de payer sa nourriture trois fois plus cher. Il vient de la difficulté à déformer les chaînes de valeur pour mettre plus de valeur ajoutée dans l'exploitation et moins dans les transformations aval, ce qui suppose par ailleurs que le consommateur acceptera de refaire le frichti chez lui et pas juste d'acheter des trucs tout préparés, qu'il ira moins au restaurant. Ça vient des industries qui se sont organisées en fonction de ça et qui aujourd'hui font du conservatisme comme toutes les entreprises de la planète, carbone 4 compris, pour que la situation se maintienne dans un contexte qui leur est favorable. Ça vient de la distribution. C'est quelque part tous responsables. On a construit un système dans lequel, pendant un moment, chacun y a trouvé son compte. Et détricoter ce truc-là aujourd'hui, c'est compliqué. Et ça demande de toute façon, dans une démocratie, de passer par un consensus de la population pour que le détricotage se fasse d'une manière dans laquelle on accepte les contreparties. Or, il y a un détricotage qui s'est opéré pour partie, je dis bien pour partie, parce qu'il est partiel, où le consommateur a accepté de payer plus cher en échange de pratiques un peu différentes, mais qui ne concernent pas directement le carbone, en fait, c'est le bio. Mais en fait, la raison pour laquelle le consommateur fait ça, quand vous regardez les enquêtes d'opinion, c'est pas tant pour l'environnement que parce qu'il est persuadé que c'est meilleur pour la santé. À tort ou à raison, peu importe. C'est ça son déterminant. Donc voilà, pour le moment, il y a quand même une grande difficulté collective à sortir de l'idée que le monde est infini, notamment sur les pratiques agricoles, histoire d'avoir quelque chose qui soit plus durable. Voilà.
Voilà, je suis un ami de la parité, donc je vous préviens qu'au bout de deux questions d'hommes, je m'arrête de répondre à les questions d'hommes. Merci beaucoup pour cette présentation. Je voulais non, parce que quand j'étais à Angers, là, chez les agros, il y avait deux tiers de filles dans l'assistance, et les questions étaient quasiment toutes posées par des garçons. Voilà, donc. Qu'est-ce que le Shift Project et notamment le plan de transformation de l'économie fait comme proposition pour décarboner le secteur agricole? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Ce que je peux vous en dire dans les grandes lignes, c'est que la première proposition et la plus structurante, elle est de diviser par deux la production de viande et de produits animaux en ordre de grandeur. Alors, c'est pas la même division selon qu'on regarde le cheptel bovin, le lait, les œufs, la volaille, etc. Alors, j'ai plus en tête tous les facteurs diviseurs, mais enfin, c'est l'ordre de grandeur. Comme par ailleurs, les éleveurs font un métier plus dur que vous et moi, qui se lèvent plus tôt et qui ont moins de vacances, on n'a pas envie de les maltraiter. Alors, on n'a pas parlé d'argent dans le PTEF, mais le complément économique que moi j'aurais en tête serait derrière d'orienter toute la production animale vers des productions de type AOC, c'est-à-dire que, en gros, vous donnez aux gens des cahiers des charges exigeant et vous multipliez par 3 le prix en sortie d'exploitation, donc avec une division des volumes par 2 et une multiplication par 3 ou 4 des prix en sortie d'exploitation, en gros vous avez des gens qui sont mieux payés pour faire quelque chose de plus pertinent au regard de l'environnement et une production derrière qui est en moindre quantité et de meilleure qualité, pour dire les choses plus... Voilà. Dans les bovins, évidemment, ça veut dire beaucoup moins de stabulation et essentiellement du pâturage. Clairement, hein, c'est ça que ça veut dire. Et en ce qui concerne la volaille, ça veut dire aussi moins de cultures céréalières qui vont alimenter la volaille et les porcins. Donc ça veut dire moins de maïs, moins de soja importé, moins de... etc. Soja, sachant qu'on en a aussi pour les bovins, hein, mais voilà. On essaye de raccourcir les chaînes de valeur. Ça veut dire qu'on essaye de déspécialiser un peu les régions agricoles. Donc l'idée, c'est de mettre quelques cochons qui vont aller chier dans la Beauce. Ça fera le plus grand bien aux champs beaucerons. Et quelques vaches. On veut remettre des haies et des arbres. Voilà. Favoriser les pratiques qui stockent du carbone dans le sol. Favoriser la prédation biologique au détriment de la prédation chimique sur les ravageurs. Hein, voilà. Donc voilà, en gros, ce cas, et remettre progressivement 500 000 personnes dans l'agriculture, précisément pour gérer à la fois des systèmes de production plus complexes et avec comme contrepartie, évidemment, qu'il va falloir injecter plus d'argent dans ce secteur. Mais là, il y a quelque chose qui est absolument évident, c'est que vous ne pouvez pas demander à un secteur pauvre d'innover. Hein, on ne demande pas, les gens de la tech, on leur déverse des dizaines de milliards par tombereau sur la tête en leur disant faites-nous de la réalité virtuelle, ça va vachement nous nourrir la réalité virtuelle. Je pense que si on faisait la même chose pour quelque chose qui nous nourrit, on aurait des résultats. Il y a également quelque chose, alors qui n'est pas dans le plan de transformation de l'économie française, mais qui est une considération personnelle, qui est un sujet de statut social. Un sujet de pénibilité du travail, enfin il y a tout un tas de trucs qu'il faut regarder, la désirabilité du métier, aujourd'hui c'est un métier qui n'est pas très désirable, vous avez plein d'agriculteurs qui quittent le métier, qui ne trouvent personne pour prendre leur suite, etc. Donc il y a un sujet de discours, il y a un sujet de statut social, il y a tout un ensemble qu'il faut adresser autour de ça. Là je vous ai donné les lignes un peu structurantes de ce qu'il faut faire, mais ça ne couvre que 10% de l'énoncé du problème, parce que vous avez tout un tas d'autres trucs qui viennent se greffer autour. Alors, moi, j'ai une question sur un détail un peu de votre présentation. C'est juste, vous dites que la déforestation, c'est une dizaine de pourcents du coup, des émissions globales. Et je me demandais, est-ce qu'on a la possibilité d'avoir ça en version dynamique pour savoir si c'est plutôt en train d'augmenter, diminuer, s'il y a différents scénarios? Est-ce que vous savez quelle était la part de la déforestation dans les émissions planétaires en 1850? Beaucoup plus que la moitié. Alors évidemment, les émissions planétaires étaient beaucoup plus faibles. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les États-Unis ont massivement déforesté au cours du 19e siècle. La Chine a massivement déforesté au début du XXe siècle. Enfin voilà, vous avez eu des épisodes de déforestation massive avant l'arrivée des combustibles fossiles. Et donc la part, paradoxalement, de la déforestation était plus importante il y a un siècle. Ben dans le futur, le jour où il n'y a plus de forêt à couper, il n'y a plus de déforestation. Hein, donc, voilà.
Vous avez en plus un risque majeur, alors je n'ai pas eu le temps d'en parler ce soir, mais vous avez un risque majeur qui commence à être publié dans la série des bonnes nouvelles, qui commence à être documenté dans la littérature scientifique, c'est qu'il est possible que l'Amazonie s'approche d'un point de bascule où le climat deviendrait trop sec pour que la forêt perdure. Bon, alors, si ça se passe, là, vous n'avez même plus besoin de mettre des champs de soja, c'est, voilà, la nature va s'en charger toute seule. Sur la question des sols de tout à l'heure, est-ce qu'on a une idée de par rapport à la forêt et à l'océan en termes de puits de carbone, de ce que les sols représentent ça c'est la première question, de ce que le potentiel des sols agricoles a en termes de captation de carbone par rapport à l'océan et aux forêts. Première question et deuxième question, vous avez parlé d'agroforesterie pour augmenter comment ça permet plus de captation dans les sols, l'agroforesterie ? Ah, alors ça c'est une question facile. Ça met du carbone dans les sols tout simplement à cause des racines. Okay. C'est en augmentant la quantité de racines que... Oui, c'est essentiellement les racines qui viennent, les racines et puis les champignons symbiotiques. Okay. Voilà, c'est ça le carbone qui rentre dans le sol quand vous mettez des arbres. Mais il est bon à prendre. sur la première question, alors là vous me posez une colle parce que il faut que je fasse le calcul un jour. Ce que je peux vous, alors pardon, sur les absorptions, non, ça je sais. Sur le potentiel d'absorption supplémentaire, bah si je peux vous répondre en fait. Aujourd'hui, on émet à peu près 40 milliards de tonnes de CO2 par an. En gros, une moitié reste dans l'atmosphère. Et en gros, l'autre moitié est reprise, alors pas tout à fait à parts égales, il y en a un peu plus dans l'océan, mais enfin retenez les 4 quarts et on n'est pas très loin de la vérité, à parts quasiment égales par l'océan et par les écosystèmes terrestres. Essentiellement les forêts. Ce qui veut dire que les forêts occupant aujourd'hui à peu près 25% des terres émergées, si je suis à peu près à jour de mes données, bah vous voyez qu'il faudrait doubler la surface forestière mondiale, un calcul au premier ordre, hein, pour séquestrer 25% de nos émissions supplémentaires. Donc vous voyez qu'il vaut quand même beaucoup mieux baisser les émissions. Exactement, on n'échappera pas au fait de drastiquement baisser les émissions. Dans la stratégie nationale bas carbone, vous voyez qu'on imagine doubler les puits. Ça représente en gros passer de 40 à 80 millions de tonnes de CO2 séquestrées par an, c'est-à-dire 40 millions de tonnes en plus, versus 550 en émissions directes en 1990 et 450 aujourd'hui. Vous voyez qu'on est dans, il y a un facteur 10 entre les deux. Bon, probablement qu'à l'échelle planétaire, on n'est pas très loin de ça. Là, je vois avec ce que je vous ai donné, on est plutôt à un facteur 4, mais ça 4-5, mais on, faut, bon, voilà, on est quelque part entre 5 et 10. Donc le gros de l'effort va devoir être fait sur la baisse des émissions. L'augmentation des puits est bonne à prendre, mais le gros de l'effort va être fait sur la baisse des émissions. Le puits océanique n'est pas une si bonne idée que ça, parce que quand l'océan reprend du CO2, il s'acidifie. Et l'acidification de l'océan est quelque chose qui handicape la synthèse du calcaire. La synthèse du calcaire par les organismes marins doit se faire en milieu alcalin, c'est-à-dire avec un pH supérieur à 7, et même significativement supérieur à 7, il doit plutôt être de 8. La baisse du pH, alors le pH ne deviendra jamais acide, hein. Quand on parle d'acidification de l'océan, ça ne deviendra jamais inférieur à 7. Mais le simple fait de passer de 8 à 7,7, par exemple, c'est déjà une modification très très importante dans l'océan, puisque ça fait au moins 25 millions d'années que ça n'est pas arrivé. Une telle variation du pH. L'océan est un milieu très bien tamponné. Il a un pH qui se maintient au moins sur les 25 derniers millions d'années, extrêmement constant. Et dans les organismes qui ont besoin de synthétiser du calcaire, vous allez trouver les coraux, vous allez trouver une bonne partie du plancton, zooplancton, les petits animaux, là, les petits coccolithes, c'est ça, coccolithes, hein. Coccolifores, enfin je sais plus, enfin bon, bref, coco quelque chose, j'oublie toujours leur nom. Enfin bon, donc vous avez un certain nombre d'animaux qui ont besoin de synthétiser du calcaire, et si la synthèse du calcaire n'est plus possible, ben vous avez une agression supplémentaire contre la biodiversité marine qui est déjà pas à la fête avec la pêche. Donc, sur le puits terrestre, ben, ça va beaucoup dépendre de ce que vont devenir les écosystèmes terrestres. Là aussi, dans les choses auxquelles vous avez échappé ce soir, une des diapos que je montre souvent, c'est une évolution de la photosynthèse des écosystèmes, sur Terre au fil des années. Et alors, vous savez qu'on peut avoir des observations par satellite de l'intensité de la photosynthèse, puisque l'intensité de la photosynthèse déforme un peu le rayonnement infrarouge qui est renvoyé par les feuilles, hein, par les surfaces foliaires.
Et avec ces observations satellites, on est capable d'établir que jusqu'en l'an 2000, la photosynthèse partout sur Terre avait plutôt tendance à augmenter d'une année sur l'autre. Ce qui est une autre manière de dire que la Terre était devenue une énorme serre à tomates nantaise, enrichie en CO2, un peu chauffée, et du coup les tomates se portaient très bien, donc les forêts se portaient très bien, et mangeaient plus de CO2 chaque année. Photosynthèse augmentait. Depuis l'an 2000, ça s'est inversé. C'est-à-dire qu'il y a plein de régions dans le monde, alors pas encore partout, notamment certaines forêts équatoriales y échappent, mais toutes les moyennes et hautes latitudes sont concernées, a priori. Vous avez le stress thermique et hydrique, désormais, engendre une photosynthèse qui, année après année, a tendance à baisser à ces latitudes-là. Et ça correspond à la mort des épicéas et des hêtres dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Ça veut dire que le puits terrestre, il est déjà parti pour s'affaiblir sur une bonne partie des terres émergées. Donc compter dessus pour absorber une fraction croissante des émissions que nous mettrions dans l'atmosphère et probablement prendre un pari un tout petit peu risqué. J'ai une question. Non, il y a eu deux hommes, je crois. Non, ou un homme. Un seul ? Bon, alors ça va, c'est bon. J'ai une question sur la question de la transition alimentaire. Et quand on regarde la dynamique d'évolution de la population pour atteindre les 9 ou 10 milliards, essentiellement quand on regarde ce qui va se passer en Afrique notamment, où en fait la population africaine, d'un point de vue nutritionnel, a besoin de plus de viande, contrairement à nous. D'accord ? Je ne sais pas. Si, ils sont en déficit de protéines animales et de produits d'origine animale de manière assez importante, avec des carences qui vont avec. Et donc, du coup, quand on regarde cette dynamique de population dans les pays émergents, ou en particulier en Afrique, et la problématique de transition alimentaire, où en fait les gens ont des alimentations qui deviennent de plus en plus sophistiquées et qui incluent de plus en plus, du coup, des produits carnés, comment est-ce que ça peut être intégré dans l'évolution de baisse de 5% parce qu'évidemment, c'est au niveau mondial qu'il faut obtenir. Oui, alors je peux vous faire une réponse en deux temps, qui va vous faire moins peur, vu votre âge, qu'à une partie de la salle. Ça va mal se finir. C'est-à-dire que, en gros, non mais c'est exactement ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on va engendrer une compétition, une pression sur l'environnement, qui un jour va engendrer en retour des régulations qui ne nous demanderont pas notre avis. Comme ça que ça se termine. Donc soit on baisse les émissions volontairement, soit nous avons en retour des craquements dans le système qui vont venir d'effondrements économiques en Occident, larvés ou brutaux, les deux à la fois, c'est-à-dire qu'il va y avoir du marasme et puis de temps en temps des grandes marges d'escalier, ça c'est la partie énergétique, et également des coups de boutoir climatiques qui vont aller croissant, et donc il n'y aura pas un monde avec 10 milliards d'occidentaux sur Terre, ça n'existera jamais ça. Ça n'existera jamais. Donc la bonne question, c'est quel gâteau on se partage ? Et par ailleurs, il va y avoir des questions moralement très dures. Vous dites les Africains sont carencés, mais les Africains ont aujourd'hui une espérance de vie à la naissance qui est le double de celle d'un Français de 1800. C'est quoi la bonne valeur dans cette histoire, hein ? Donc on va au-devant également de débats qui sont difficiles, que pour le moment on évite, hein, il faut sous le tapis, mais on va avoir des vrais sujets à aborder quand on réfléchit à la façon dont on va partager ou pas le gâteau qui reste. Aujourd'hui, on ne réfléchit pas. C'est une bonne manière de... Une personne que j'aime bien, qui est un prêtre jésuite, qui s'appelle Gaël Giraud, a été pendant un temps chef économiste de l'AFD, et dans une vidéo, il a expliqué que si on était sérieux, la totalité de l'aide au développement française, j'ai bien la totalité, pas une partie, irait sur trois sujets dans les pays éligibles: la maîtrise de leur destin par les femmes, parce que ça, c'est un élément de baisse de la démographie, enfin de la natalité plus exactement. Donc éducation et égalité, en gros, un sujet d'égalité. L'accès à la contraception, puis même chose. Et troisième sujet, les sujets de solidarité nationale, donc les retraites et l'assurance maladie, pour éviter aux gens de compter sur leur propre force et leur propre famille, et donc de faire des enfants à tire-larigot, histoire de se dire, il y en a bien un qui va s'occuper de moi quand je serai vieux. Bon. Je pense que c'est quelque chose d'assez pertinent, ce qu'il a dit. Et j'ai envie de dire, vu de la fenêtre de la France, on ne peut stipuler que pour soi, hein, je pense que la meilleure contribution qu'on pourrait faire au sujet que vous venez d'évoquer, c'est celle-là. Et une deuxième, évidemment, qui est de baisser chez nous la consommation de viande, qui peut largement baisser avant qu'on ait des problèmes de carence. Bonsoir. Ça,
marche, ouais. Je m'interrogeais sur les cultures à vocation énergétique. Déjà, je me demandais quelle était leur, je ne sais pas si c'est le terme, mais leur efficacité énergétique en comparaison des énergies fossiles et des autres énergies renouvelables, savoir comment elles se plaçaient sur, sur le spectre de l'efficacité. Et du coup, en fonction de cette réponse, s'il serait souhaitable, avec un partage de l'occupation des sols, de les développer ou non. La réponse qu'on fait à cette question dans le plan de transformation de l'économie française, c'est qu'on réserve à ces énergies issues du sol une part très faible. À cause de ce que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'on hiérarchise les besoins comme suit. D'abord, on mange, avec des pratiques qui sont plus douces, entre guillemets, pour l'environnement. Ensuite, on produit du matériau, du bois, des textiles, etc. Et ensuite seulement, tout ça avec un peu d'espace pour la biodiversité, et ensuite seulement, on s'occupe d'énergie. Et dans l'énergie, on garde des combustibles liquides ou gazeux pour des usages que vraiment on ne peut pas passer à l'électricité. Alors qu'est-ce qu'on ne peut pas passer à l'électricité ? Pas grand-chose, un peu de transport aérien, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. On est assez violent dans le plan de transformation de l'économie française sur le transport aérien. Et la deuxième chose qu'on ne peut pas passer à l'électricité, c'est, ou en tout cas un endroit où on veut bien réserver des combustibles fossiles, c'est la mécanisation agricole elle-même, parce que dans le plan de transformation de l'économie française, on veut déjà remettre 500 000 personnes dans l'agriculture, ce qui peut paraître beaucoup au regard des chiffres actuels. Il faut quand même rappeler que l'activité agricole occupait un actif sur trois en 1945 et les deux tiers de la population active en 1800. Hein. Donc avec nos 500 000, on est vraiment petit bras, hein, donc on y va vraiment, vraiment mollo. Mais les 500 000 en question confèrent ce que je disais tout à l'heure sur l'attractivité des métiers agricoles. Si toute la journée vous devez biner des pommes de terre en ayant le dos courbé en deux, c'est plus compliqué que si vous avez un peu de mécanisation pour vous aider. Donc en priorité, la biomasse à vocation énergétique, on la réserve à l'énergie nécessaire au machinisme agricole. Donc on n'injecte pas de biogaz dans le réseau. Avec le biogaz, on fait des carburants de synthèse qui servent aux tracteurs et aux auxiliaires de l'agriculture. C'est ça qu'on fait. Tracteurs qui ne labourent pas trop. Non mais voilà, c'est exactement ça qu'on fait dans le PTEF. Dans le PTEF, on supprime le réseau de gaz. Hein. Il n'y a plus de réseau de gaz. On remplace toutes les chaudières à gaz par des pompes à chaleur. Et on supprime. Mais ça peut paraître iconoclaste, mais en Suède, c'est ce qu'ils ont. Ils n'ont jamais eu de réseau de gaz pour chauffer les habitations. Ils ont toujours chauffé les habitations avec du bois et des pompes à chaleur. Et manifestement, les Suédois ne sont pas morts de froid, alors qu'il fait plus froid que chez nous. Donc on supprime le réseau de gaz. Donc on n'a plus besoin de biogaz pour le réseau de gaz. Le gaz sert aujourd'hui essentiellement à se chauffer. On pourrait très bien, hein, je fais une incise, se passer du gaz russe demain matin. Juste, on aurait un peu plus froid. Voilà. 60% du gaz en France sert au chauffage. Voilà, donc si vous aimez beaucoup les Ukrainiens, bah vous enfilez trois pulls et vous arrêtez le chauffage. Ça sera plus dur pour le pétrole. Et toujours pour donner des ordres de grandeur, les Russes, c'est 40% du gaz européen. 40% du gaz consommé dans l'Union européenne est russe. Donc pour en revenir à la question de l'énergie d'origine biomasse, nous on la met vraiment à la portion congrue. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. 40% du maïs américain finit sa vie dans un réservoir de voiture. Ce qui fait 14% du maïs mondial. 14% du maïs mondial parce que les Américains sont culturellement accros à des bagnoles de 2,5 tonnes. Non mais vu de notre fenêtre. Alors, sur les temps, un Malien nous dirait 40 millions de véhicules en France, vous êtes totalement accros à vos véhicules d'une tonne et demie, et ils auraient raison. Hein ? On est toujours le riche de quelqu'un, vous savez, hein ? Toujours. C'est pareil pour le colza en France, hein, l'essentiel des champs de colza que vous pouvez voir en France, ils servent à alimenter des voitures. Donc on pourrait très bien libérer des surfaces pour la biodiversité, pour les matériaux de construction ou pour se maintenir un peu de transport aérien, parce que l'avion électrique, hein, c'est vachement bien pour les drones, pour prendre des photos. L'avion à hydrogène, vous ne le verrez jamais, moi non plus, même si monsieur le maire, ça l'abuse beaucoup. Donc en fait, si on veut garder un peu de transport aérien, à voir comment on le répartit, ce qui est un autre sujet, eh bien, il faudra quelques carburants liquides de synthèse. Mais ça ne permettra pas du tout de maintenir le trafic qu'on a aujourd'hui. C'est juste pas du tout ça. Voilà, donc c'est. Alors après, quel est le rendement aujourd'hui ? Le rendement de l'éthanol produit à partir d'amidon ou de sucre n'est pas bon, parce que ce qui permet de produire de l'amidon ou du sucre, c'est-à-dire le blé ou la betterave, c'est plein d'eau.
Et donc, vous allez faire fermenter de l'amidon ou du sucre dans une espèce de bouillie pleine de flotte. Et ensuite, il va falloir distiller pour évacuer l'eau. Et la distillation consomme énormément d'énergie. Donc, aux États-Unis, par exemple, l'éthanol de maïs, c'est une manière de transformer du charbon en pétrole. Ils ont plein de charbon chez eux, ou plein de gaz, comme selon ce que vous voulez. Jusqu'à une époque récente, ils n'étaient pas très riches en pétrole parce que leur pétrole conventionnel était sur le déclin. Maintenant, avec le shale oil, ça a un peu changé la donne, mais voilà. Et donc, ils ont développé des agrocarburants domestiques essentiellement pour ça, pour transformer du gaz et du gaz et du charbon. Alors, le rendement est un peu au-dessus de 1, mais pas tellement, pas excellent. En ce qui concerne les oléagineux, le rendement de conversion est bien meilleur parce que vous avez essentiellement de l'énergie mécanique qui entre en jeu. Hein, vous devez presser, purifier. Et estérifier, mais enfin bon, estérifier, c'est pas très énergivore. Par contre, les rendements à l'hectare de sucre de betterave sont bien plus élevés que les rendements à l'hectare d'huile de colza. Hein. Et donc, si vous faites tout mouiller, rendement agricole plus traitement derrière pour avoir des carburants exploitables, l'ordre de grandeur que vous pouvez garder en tête, c'est qu'un hectare de terre vous permet de produire par an de l'ordre de 1 tonne de carburant net. 1 tonne de carburant net. En France, on consomme actuellement 45 millions de tonnes de carburant routier par an, routier et aérien, et nous avons, comme vous le savez, 55 millions d'hectares de surface métropolitaine. Voilà, donc vous avez la réponse. Je vais vous donner une autre réponse. On produit actuellement 2 milliards de tonnes sur les 4 principales cultures mondiales, à savoir blé, maïs, riz et soja. Si je convertissais ça en carburant, j'en perdrai la moitié en gros au passage, j'obtiendrai 1 milliard de tonnes d'équivalent pétrole. On consomme actuellement 4 milliards de tonnes de pétrole dans le monde par an. Donc la totalité de mes 4 premières cultures mondiales, c'est un quart du pétrole qu'on consomme. Ou 2,5 fois le pétrole qu'on met dans les avions. Voilà. Donc tout ça vous donne des ordres de grandeur. Vous voyez bien que de toute façon, ça sera une marge de manœuvre marginale. Et donc comme toute marge de manœuvre marginale, il faut la réserver à des usages qui sont extrêmement précieux. Et le premier usage précieux en matière d'énergie, c'est le machinisme agricole. Et s'il doit y avoir une goutte d'agrocarburant quelque part derrière, il ira probablement dans un avion de chasse. Et si on compare le rendement à d'autres énergies renouvelables ? Le solaire, l'éolien ? Ah, alors ça n'a pas tellement de sens de comparer ça, parce qu'il faut comparer des vecteurs énergétiques à l'arrivée qui sont les mêmes. Le solaire exploité pour faire des vecteurs énergétiques, ça s'appelle la photosynthèse, justement. Et du reste, là, le rendement n'est pas très bon, puisque comme vous le savez, le rendement de la photosynthèse est une fraction de pourcent. C'est une fraction de pourcent de l'énergie solaire incidente qui se photosynthétise. Si vous vouliez comparer des choses comparables, il faudrait comparer le rendement de chaîne dans lequel vous avez un panneau solaire qui vous fait de l'électricité, avec lequel vous électrolysez de l'eau, ce qui vous fait de l'hydrogène. Ensuite, vous associez l'hydrogène à du CO2 pour faire du méthane de synthèse, puis vous faites du Fischer-Tropsch et vous finissez par obtenir du carburant liquide. Alors là, si vous faites ça, vous avez 60% fois 80% fois 50% fois 50%. Fois 10% pour le rendement du panneau solaire. Pardon. Voilà, je n'ai pas fait le calcul de tête, mais à mon avis, on n'est pas beaucoup mieux que la photosynthèse. Donc les rendements ne peuvent se comparer qu'à vecteurs énergétiques identiques. Et avec de l'électricité, vous ne substituez pas des carburants dans un moteur à combustion interne. Vous pouvez substituer du mouvement, mais il faut changer le moteur. Voilà. Alors, si la question à ce moment, c'est avec quoi est-ce qu'on alimente les machines électriques dans un monde qui s'est décarboné, la réponse qu'on a faite au Shift Project pour le moment, c'est autant que possible avec les réacteurs nucléaires existants, autant que possible avec des nouveaux réacteurs nucléaires, autant que possible avec les énergies renouvelables existantes, et pour le reste, on a un gros point d'interrogation, parce que quel que soit le pari qu'on prend pour boucler le surplus, on prend des risques de non-réalisation, qui ne sont pas les mêmes en fonction de la voie qu'on choisit. Et on considère qu'aujourd'hui, l'instruction de la totalité des risques qu'on prend n'a pas été faite jusqu'au bout pour qu'on puisse prendre position. Et alors, je vais vous donner deux risques évidents. Si on prend l'option nucléaire, le risque, c'est de ne pas y arriver à temps parce que résistance de la population, parce qu'on ne saura pas faire, parce qu'on ne sera pas donné les bonnes procédures, parce qu'on aura voulu se mettre des règles de sûreté trop compliquées, etc. C'est essentiellement ça le problème du nucléaire. Ou parce qu'on aura mis le nucléaire dans le domaine privé alors qu'il est horreur de ça, parce que du coup ça fait un mégawattheure beaucoup trop cher. En ce qui concerne les énergies renouvelables, le risque de ne pas faire,
Il vient du fait qu'on a besoin de beaucoup plus d'emplacements, de beaucoup plus de matériaux, d'une économie paradoxalement beaucoup plus mondialisée, parce que les mines ne sont pas chez nous, les composants ne sont pas chez nous. Aujourd'hui, 95% des panneaux sont faits en Chine, parce qu'il faut être capable de stocker à très large échelle ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, et parce qu'il faut développer ce qu'on appelle les interconnexions, c'est-à-dire en pratique la dépendance à l'étranger, et donc être sûr que l'étranger, qui ne parle pas partout le même étranger, comme disait Coluche, fera ce qui nous arrange nous, en plus de ce qu'il arrange lui, si on en devient dépendant. Hein. Voilà. Donc on prend des risques d'une autre nature et aujourd'hui ce plan-là ne passe pas dans un monde chahuté. Donc il passe dans un monde tranquille, sauf qu'on ne va pas avoir un monde tranquille. Vous voyez bien qu'on n'a déjà plus un monde tranquille. Après le Covid, on a eu l'Ukraine, avant on a eu le Brexit, avant on a eu Trump, là on va peut-être avoir Le Pen, enfin le monde n'est pas tranquille. Le monde n'est pas tranquille. Donc faire un plan qui ne marche que dans un monde tranquille ou pas faire de plan, c'est pareil. On est d'accord ? Et aujourd'hui, le fait d'avoir confronté les plans qu'on peut faire pour l'avenir du système électrique à un monde pas tranquille, cet exercice n'a pas été fait. Et donc c'est pour ça qu'au Chip Project, aujourd'hui, on reste très prudent. Et c'est pas le refus de prendre position. Parce qu'on aurait peur de notre ombre, qu'on ne voudrait pas assumer le fait qu'on veut faire 60 réacteurs plutôt que 30. Non, non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'on a un vrai doute et qu'on a une vraie zone d'ombre qui n'a pas encore été éclaircie sur... les risques qu'on prend en fonction des options qu'on prend. Voilà. Oui. Du coup, vous proposez beaucoup de solutions, notamment dans le Chief Project, et je me posais la question de si le Chief Project avait pensé à la manière d'opérationnaliser toutes ces solutions, puisque même sur différents, que ce soit pour l'agriculture ou pour d'autres secteurs, on voit qu'il y a... Aujourd'hui, on a les solutions en main sur le papier, mais dans la réalité, comment on la met en œuvre ? L'agriculture est probablement le domaine dans lequel c'est le plus difficile à faire parce que nous avons, nous ne sommes pas dans un domaine subsidiaire au sens européen. Et comme vous le savez probablement, l'essentiel des décisions aujourd'hui concernant la gestion agricole sont des décisions communautaires. Il y a des domaines dans lesquels c'est beaucoup plus facile de faire sans demander son avis à l'Europe. Je vais prendre le domaine des bâtiments. On n'a pas besoin de l'Europe pour décider demain matin que les propriétaires de bâtiments devront, à leurs frais et éventuellement avec une aide publique, si vraiment ils n'y arrivent pas, rénover les bâtiments. Bon, il se trouve que l'un des drames de cette école, c'est de devoir quitter ses murs et surtout quitter Grignon. Mais en l'occurrence, si ça n'avait pas été le cas, moi, président, comme dit l'autre, j'aurais très bien pu vous dire, vous allez me rénover cette passoire, parce que ici, je pense que c'est une semi-passoire, pas une passoire totale, parce que les vieux bâtiments ne sont pas tant des passoires que ça, on faisait des murs un peu épais, etc. Mais ça doit être une semi-passoire quand même. Donc vous allez me rénover cette semi-passoire et vous allez décarboner votre vecteur énergétique. Donc si vous êtes au gaz ou au fioul, ben, c'est fin du gaz et du fioul. Si vous êtes au chauffage urbain, ça va bien, je vais obliger le chauffage urbain à se décarboner. Et sinon, je vais vous obliger à poser une pompe à chaleur avec des sondes géothermiques sous le sol, on sait faire ça aujourd'hui. Bon. J'ai pas besoin de l'Europe pour décider de ça. D'accord ? Donc là, c'est une mesure opérationnelle qu'on peut mettre en avant. Autre mesure opérationnelle, ici, de temps en temps, il y a peut-être des colloques internationaux avec des chercheurs qui viennent en avion. Eh bien, il n'y a pas besoin de l'Europe pour décider qu'il y aura un quota d'avions par an pour les chercheurs qui viennent. Voilà. Et le reste du temps, ils se causeront par visioconférence. Il n'y aura pas d'avion. Bon. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de trucs. Vous avez, nous, pas vous, enfin, nous n'avons pas besoin de l'Europe. Alors, dans le Chief Project, il y a un certain nombre de domaines dans lesquels on a proposé des mesures opérationnelles de cette nature. Hein. Par exemple, sur le logement neuf, on a proposé des mesures réglementaires qui sont de nature à permettre une décarbonation accélérée des bâtiments. Dans le domaine du transport aérien, on a proposé une mesure réglementaire qui est de diminuer les créneaux de décollage des aéroports français. Donc, on ne compte pas sur la taxation du kérosène. Et alors après, pour rester équitable, ça c'est pas un truc qu'on a proposé dans le PTEF, mais c'est ma conception de la chose, il me semble que pour rester équitable, une bonne manière de gérer le problème, c'est de dire, du coup, il va pas y avoir beaucoup de vols aériens, et ben du coup, chaque Français a un droit de tirage dans sa vie, riche ou pauvre, de 2 vols dans sa vie, ou un vol dans sa vie, et puis il en profitera pour visiter le vaste monde quand il sera jeune, une fois qu'il sera vieux, ben il jouera à la belote et il ira pas au Club Med, voilà, c'est comme ça. Et une fois qu'il sera même jeune actif, bah, il aura épuisé son droit de tirage et donc quand il voudra se changer les idées, il partira en vélo en Croatie plutôt qu'en demandant un congé de sans solde de 2 mois, plutôt que de partir découvrir Cuba, comme ça. Voilà. Ou alors s'il veut vraiment découvrir Cuba, il s'inscrira dans la marine marchande et là il sera sûr d'y aller.
Voilà, donc il y a des mesures réglementaires comme ça qu'on propose. Dans le domaine agricole, on a eu du mal à aller beaucoup plus loin que de tracer une voie, parce que l'essentiel des mesures qui permettraient de mettre ça en application sont des mesures qui relèvent de l'échelon européen. Alors maintenant, ce qui est sûr, c'est que vu la part de la France dans les dépenses de la PAC, je pense que si les Français décidaient d'avoir une politique extrêmement résolue en faveur d'une agriculture durable, décarbonée, décarbonant, avec l'histoire des sols, déforestant moins par importation, etc., et d'avoir le système économique qui va avec plus d'emplois, etc., je pense que si elle était extrêmement vocale de manière permanente à Bruxelles sur la question, ça finirait par avancer. Donc je pense qu'aujourd'hui, si ça n'avance pas, c'est essentiellement que les pouvoirs publics français, tout en disant parfois l'inverse, que, etc., en fait, ils s'en foutent. Ben, ils s'en foutent suffisamment pour ne pas avoir envie de faire ce que je viens de faire. Il y a un domaine récent dans lequel il vient de se passer exactement ce que je décris, qui est le domaine du nucléaire. Vous avez peut-être entendu parler dans cette enceinte du sujet de la taxonomie européenne sur les investissements verts. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, non ? Oui ? Non ? Il y a au moins une moue. Bon, alors je vais... La taxonomie européenne sur les investissements verts est une nomenclature qui a été mise au point par la Commission européenne pour dire quel type d'investissement était compatible avec la transition. D'accord ? Donc ils ont dit par exemple, si vous investissez dans une éolienne, c'est compatible, si vous investissez dans des voitures électriques, c'est compatible, si vous investissez dans le gaz, c'est pas compatible, etc. Alors, il y a plein de trucs où ils disent rien, mais voilà, il y a un certain nombre de trucs sur lesquels ils disent. Il y a eu un gros débat à la Commission pour savoir si on considérait que le nucléaire était une activité bonne pour la transition ou pas bonne pour la transition, avec deux camps historiques en présence, les Allemands qui disent c'est pas bon, essentiellement parce qu'ils n'aiment pas ça, et les Français qui disent c'est bon, essentiellement parce qu'ils en ont plein. Bon, donc les deux s'opposent. Là-dessus, dans un schéma normal, la France s'en serait pas occupée plus que ça. Donc voilà. Là, il se trouve que pour une fois, les Français s'en sont occupés. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas le nucléaire, c'est pas ça mon propos. Mon propos est de dire, pour une fois, le gouvernement français s'est mobilisé sur la question, il y a passé du temps et a été vocal sur le sujet, et le résultat des courses, c'est qu'on a eu ce qu'on voulait. Donc l'idée qu'à la Commission, on passe son temps à subir des choses dont on ne veut pas, alors qu'on est l'un des deux pays fondateurs de l'Union, moi j'y crois pas. Je pense que quand on est dans ce genre de situation, c'est qu'on fait endosser à la construction européenne un truc qui nous va très bien, ou qui nous allait suffisamment peu mal pour qu'on n'ait pas passé beaucoup de temps à lutter contre. Voilà, je pense que c'est plutôt ça la réalité. Et donc, ce qu'on propose dans le plan de transformation de l'économie française sur l'agriculture, je suis convaincu que si les Français étaient corps et âme militants pour le sujet sans relâche à l'échelon européen, ça finirait par percoler dans la façon dont on organise le secteur agricole. Voilà. Mais pour répondre à votre question, au niveau du PTEF, j'ai envie de dire c'est là où on est le plus pauvre. Donc évidemment, on peut proposer des mesures du genre la restauration collective s'alimente en local, cahier des charges, etc., avec un système de rémunération adapté, parce que là, l'Europe nous laisse le droit de le faire. Voilà, donc il y a des mesures de cette nature, mais c'est des mesures d'amorçage, j'ai envie de dire. Ça ne peut pas être des mesures principales sur l'ensemble de ce qu'on fait dans le monde agricole. Bonsoir, vous m'entendez ? Vous l'avez évoqué hyper rapidement tout à l'heure, c'est quoi la place de l'agriculture bio pour vous dans la transition alimentaire en France ? Quand on regarde l'empreinte carbone des produits bio, ils sont à peu près au niveau de l'empreinte carbone des produits pas bio. Comme vous le savez probablement, dans les grandes cultures, le rendement du bio est deux fois moindre en gros que les produits pas bio. Ce qui veut dire que vous avez deux fois plus de passage du tracteur. Le bio ne dit rien sur le labourage en profondeur, sauf erreur de ma part pour le moment. Il ne dit rien sur la partie carbone, en gros, de l'affaire. Et il ne dit rien non plus sur l'industrie agroalimentaire aval, la quantité d'emballage, les distances parcourues, etc. Alors, s'il y a une petite mention sur le fait que quand même c'est mieux de ne pas trop voyager, mais je ne suis pas sûr que ça compte dans la certification de façon significative. Donc aujourd'hui, le bio, j'ai envie de dire, il est à côté du sujet climatique. Il concerne plus la question des intrants et la question des phytosanitaires. C'est plus ça qu'il concerne. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, mais c'est plutôt ça qu'il concerne. Dans une agriculture décarbonée, le principal déterminant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la part de l'élevage, bio ou pas bio. Cela étant, il y a trop de vaches aujourd'hui pour qu'on puisse tout faire en bio, hein, donc les deux se rejoignent un peu.
C'est la part des... Alors dans certaines cultures maraîchères, pas toutes, mais dans certaines cultures maraîchères, le bio représente, enfin bio ou pas bio, en termes de consommation d'intrants, on n'est pas très loin. Il y a des cultures qui nécessitent pas des traitements de manière massive. Alors il y a des cultures fruitières où c'est le jour et la nuit, par exemple les pommes. Mais sauf erreur de ma part, je crois que les kiwis, par exemple, ça nécessite assez peu de traitements. Enfin voilà. Donc il y a quelques cultures sur lesquelles il y a pas énormément de différence. Avoir les courges qui poussent toutes seules parfois dans les composteurs aussi, voilà, je pense que les cucurbitacées, certaines qui supportent très bien le bio. Vous avez voilà, mais donc la question du bio, c'est, j'ai envie de dire, c'est une contrainte supplémentaire par rapport à la question du carbone. C'est la question plus insectes, phytosanitaires, etc. C'est plutôt ce sujet-là, à mon avis, qui est concerné par le bio plus que la partie carbone. Merci beaucoup déjà pour votre intervention. Je voulais vous poser une question sur le méthane qui a l'air d'avoir un rôle assez particulier. Comme le méthane reste un peu moins longtemps dans l'atmosphère que le CO2, est-ce que avec la dynamique actuelle, on est toujours sur une pente d'augmentation forte de la quantité de méthane dans l'atmosphère, ou est-ce qu'il y a un moment où on va peut-être avoir une sorte d'asymptote, même si on continue à en émettre un peu? Alors, vous me posez une colle parce que je ne me rappelle plus quelles sont les trajectoires d'émissions de méthane dans les divers scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui fait le réchauffement à long terme, c'est essentiellement de CO2. Justement parce que le méthane s'épure plus vite de l'atmosphère. Là, vous me posez une colle sur les trajectoires de méthane dans les... Non, mais du coup, je vais regarder à la prochaine occasion parce que... mais j'ai pas la réponse. Ce qui peut éventuellement prendre la place d'une partie des émissions humaines, en ce qui concerne le méthane, ça par contre je peux vous répondre, c'est le fait de transformer une partie du pergélisol, donc du sol gelé en permanence des hautes latitudes, en marécage. À partir du moment où le pergélisol fond, une partie est remplacée par des tourbières, enfin des endroits marécageux spongieux, qui sont des sources importantes de méthane. Donc ça, c'est une des inconnues des effets d'amplification possible du réchauffement climatique à cause des premières conséquences. Voilà. Les chiffres les plus variés ont circulé sur le potentiel de méthane libéré par ce genre de processus, donc c'est très difficile de prendre position. Et puis vous avez un deuxième endroit où vous avez du méthane qui est piégé depuis longtemps, c'est dans ce qu'on appelle les hydrates, qui se trouvent sous le pergélisol cette fois-ci, et dans le fond des océans. Et là, il y a aussi une question sur la déstabilisation possible de ces hydrates. Alors un hydrate de méthane, c'est un cristal mixte d'eau et de méthane, donc en gros c'est de la glace qui contient du méthane, des molécules de méthane emprisonnées dans les cages formées par le cristal de glace. Un cristal, c'est des atomes arrangés, ça fait des espèces de cages, une espèce de cage d'écureuil. Et bien à l'intérieur des cages d'écureuil, vous avez des atomes de méthane qui viennent se mettre quand vous avez un hydrate de méthane, et quand la glace fond, évidemment, le méthane est libéré. Ces hydrates de méthane, vous en avez qui se sont formés au fond des océans et sous le pergélisol. Et là aussi, la question de la déstabilisation d'une partie de ces hydrates dans le cadre d'un climat qui se réchauffe est un point d'interrogation. Voilà. Tout ça fait que je n'ai pas la réponse à votre question sur comment pourrait évoluer la concentration en méthane dans l'atmosphère. Ce que je peux vous dire, c'est que historiquement, la variation de la teneur en méthane dans l'atmosphère aux époques anciennes, reconstituées par carottage dans les glaces, elle a grosso modo suivi, donc il y a dû y avoir des phénomènes de rétroaction, elle a grosso modo suivi la variation de la température. Donc l'augmentation de la température et du coup de l'humidité des sols des hautes latitudes, à la fois par dégel et par excès de précipitation, a dû engendrer des émissions de méthane supplémentaires naturelles qui compteront aussi dans le processus. Bonsoir. Tout d'abord, merci beaucoup pour être ici avec nous aujourd'hui et donner l'opportunité d'apprendre plus. Donc, en fait, ma question est plutôt par rapport aux émissions, si on peut, dans la même ligne que la question précédente. On parle beaucoup de CO2 et on ne parle pas autant d'autres émetteurs, par exemple, que vous avez dit, qui ont d'impact 250 fois plus impactant que le CO2. J'imagine plutôt qu'on en pense toujours au puits carbone. On pense qu'il existe une partie qui fait, ça ferme tout le cycle de vie du carbone. Est-ce que pour les autres sources qui ont d'impact fort d'émissions, par exemple le méthane ou d'autres, est-ce que nous connaissons d'autres moyens de faire des puits
pour ces d'autres éléments. Et une deuxième question, juste rapidement aussi, est-ce que vous avez un chiffre des pourcentages des combien de CO2 émis par rapport aux autres sources, c'est-à-dire 70% des émissions d'impact CO2 et par CO2 et les autres 30% c'est pour le reste des sources. Je ne sais pas si j'étais bien. Merci. Une partie de la réponse sur ce diagramme. Tout ce qui va des centrales à charbon jusqu'au transport, c'est du CO2, plus la déforestation qui est du CO2 aussi. Ce qui est dans l'agriculture, c'est aux deux tiers du méthane. Ce qui est dans les autres procédés, vous avez un peu de méthane aussi, puisque c'est celui qui vient des décharges. Voilà. Est-ce que on a la possibilité de créer des puits pour les autres gaz à effet de serre ? Malheureusement, non. Le méthane est le seul gaz à effet de serre qui possède un puits atmosphérique. C'est-à-dire qu'en fait, il se décompose dans l'atmosphère. En fait, le méthane étant une molécule qui peut s'oxyder assez facilement, puisque ça brûle, hein, donc ça s'oxyde, le méthane disparaît dans l'atmosphère par réaction avec ce qu'on appelle des radicaux hydroxyles, qui sont des agresseurs aussi, on en a aussi dans notre corps, hein, les fameux radicaux libres, qui sont des agresseurs des molécules organiques, et c'est comme ça qu'il disparaît, et c'est pour ça que la demi-vie du méthane dans l'atmosphère est beaucoup plus courte que celle du CO2. Le protoxyde d'azote, étant un oxyde, lui aussi, comme le CO2, il n'a pas de puits atmosphérique chimique. En fait, le protoxyde d'azote, il finit sa vie en étant photodissocié dans la haute atmosphère par les ultraviolets du soleil. C'est comme ça qu'il finit sa vie. Et du coup, son temps d'épuration, sa demi-vie, est également longue. C'est long. Il n'y a pas de puits naturel. Et enfin, les molécules qui sont d'origine artificielle, ce qu'on appelle les halocarbures. Donc historiquement, il y a eu les CFC, chlorofluorocarbures, qui étaient des substituts à l'ammoniac dans les chaînes du froid. En fait, l'apparition première des CFC, ça n'a pas du tout été pour les trucs qui permettent de sentir bon sous les bras, ça a été, pour ce qu'on a appelé les bombes aérosols, ça a été comme fluide frigorigène, donc dans les circuits de froid. Après quoi, on les a remplacés par des substituts qui sont partiellement hydrogénés, parce que les CFC, en fait, avaient une durée de résidence aussi pareil. C'est des molécules qui sont incassables tant qu'elles sont dans l'atmosphère. Et elle finissait par arriver dans la haute atmosphère très lentement, parce que c'est par ailleurs des molécules lourdes, donc il faut que la convection atmosphérique les emmène très haut pour qu'elles finissent par y arriver. Et elles étaient aussi photodissociées par les ultraviolets dans la haute atmosphère, où là, elles libèrent leur chlore, qui finit par réagir avec l'ozone stratosphérique et diminue la quantité d'ozone stratosphérique. Le mécanisme est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Non, c'est un peu compliqué. Vous avez une page sur mon site internet qui est encore valable, puisque c'est sur la question de la diminution de l'ozone. Le mécanisme est expliqué et on explique aussi que le mécanisme est amplifié par le réchauffement climatique, malheureusement. Donc ces composés, comme ils mettent très longtemps, pardon, les substituts, ils contiennent de l'hydrogène, ce qui leur permet de se décomposer plus vite, donc les HCFC, et ils contiennent pas de chlore. HCFC. Mais il n'empêche qu'une partie d'entre eux dure quand même extrêmement longtemps dans l'atmosphère, en particulier ceux qui sont saturés en fluor, hein, donc les HFC. Et les PFC. Donc ils sont très stables aussi. Et vous avez un dernier gaz qui est connu, le SF6, l'hexafluorure de soufre, qui sert dans certains équipements électriques. Il sert dans les cellules de rupture de puissance, enfin bon, bref, c'est un très bon isolant et il résiste extrêmement bien aux arcs électriques parce que c'est une molécule qui est extrêmement stable, donc on s'en sert dans des dispositifs de puissance sur le réseau électrique. Lui, c'est un gaz qui est quasi éternel une fois qu'il est dans l'atmosphère, donc voilà, il disparaît quasiment pas. Donc il n'y a pas de puits pour tous ces gaz-là. Donc le seul gaz pour lequel on puisse créer facilement un puits, c'est le CO2, parce qu'il est associé à la vie. C'est juste ça, parce que c'est la nourriture des plantes. Aucun autre gaz n'est la nourriture d'un être vivant. Donc, une fois qu'ils sont dans l'atmosphère, ils vivent leur vie. Bonjour, merci pour...
Merci pour cette conférence. J'avais une question par rapport au numérique, par rapport à deux aspects notamment. Le premier, c'est que j'ai l'impression que la part d'énergie associée au numérique reste quand même assez taboue parce que c'est un secteur d'innovation et on n'a pas forcément envie de se léser là-dessus. Et il ne me semble pas qu'on ait fait un focus dans les différents graphes d'énergie. Et le deuxième aspect qui m'a un peu marqué ces derniers temps, c'est notre ancien ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, qui parle beaucoup de troisième... Pourquoi ancien ? Futur ancien ? Non, mais toujours, mais... Ah, votre ancien de l'agro, vous voulez dire ? Non, mais sauf s'il y a un remaniement ministériel avec un nouveau candidat présidentiel. Bah, il est plus ministre de Normandie ? Il n'a pas dit. Si, il est encore ministre. Pour deux mois, là. Actuel, pardon. Non, il est futur ancien, on est d'accord, mais pour le moment, il est encore en poste, oui. Qui parle beaucoup de troisième révolution agricole à l'aide du numérique, qui prône beaucoup l'utilité du numérique dans l'agriculture, qui soutient les projets d'innovation à base de numérique pour soutenir justement l'engagement des jeunes dans l'agriculture, recruter plus, comment faire perdurer cette agriculture avec de moins en moins d'agriculteurs. Et du coup, moi, je me demandais quelle était votre position là-dessus. Est-ce que pour vous, c'est une vraie solution ? Est-ce que ça fait partie de vos propositions dans votre plan d'action ? Voilà. Ça, alors, ce qui fait éventuellement partie de nos propositions dans notre plan d'action, c'est le fait que vous soyez urbain ou rural, vous ayez accès à des services qui vous permettent de ne pas vous sentir isolé. Mais ce n'est pas mettre des robots dans les champs. C'est le numérique en ce que, quand vous êtes chez vous, vous pouvez avoir envie d'accéder à une vidéo YouTube comme les gens qui sont en basse définition, comme les gens qui sont en ville. Je vais faire un petit crochet. Est-ce que vous savez comment on définit une politique publique dans ce pays ? Il y a ce que vous pensez et il y a la réalité. Alors, ce que vous pensez, c'est vous vous dites, il y a des gens, pas trop cons, puisqu'une partie sont sortis de cette école, qui réfléchissent à la manière de traiter les problèmes. Une fois qu'ils ont une solution à la manière de traiter les problèmes, ils portent ça à l'étage politique, et l'étage politique dit, oui, effectivement, nous avons tel problème à régler, nous allons le régler de cette manière. Alors, ça, c'est la théorie, et c'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe en pratique, c'est que vous avez des gens qui savent faire quelque chose, et qui essayent de se convaincre et de convaincre les autres que ce qu'ils savent déjà faire, à sa place dans un monde qui doit changer. Ils font tous pareil. Ils font absolument tous pareil. Donc ils ont tous créé des postes de directeur ou directrice du développement durable qui en fait sert essentiellement à faire en sorte que ça ne change pas. C'est-à-dire nous sommes déjà durables, donc ils ne venaient pas nous emmerder, et on va continuer à faire comme avant. Alors, ce que je vous dis admet des exceptions. Les exceptions sont surtout le fait des structures émergentes. L'innovation, elle va venir des petites structures émergentes. Les structures installées, ils vont vous sortir de la peinture verte parce que de toute façon, ils sont prisonniers de la rente et que c'est très, très difficile pour eux de faire autrement. Très difficile pour eux de faire autrement. Donc la politique publique se fait comment ? Ça se fait que M. de Normandie, il reçoit les demandes et les pressions de tout un tas de gens, les agriculteurs et leurs syndicats représentatifs, les gens qui fabriquent du numérique et leurs syndicats représentatifs, les gens qui opèrent des télécoms et leurs syndicats représentatifs, etc. Et à la fin, il arbitre en fonction de la minimisation des emmerdements qu'il va avoir selon la personne à qui il dit « on va faire comme ça ». Donc il y a une prime au pouvoir de nuisance, en gros, dans le lobbying politique. C'est exactement comme ça que ça marche. Si vous voulez être audible auprès d'un personnage politique, il ne faut pas avoir raison, il faut avoir un pouvoir de nuisance. Alors évidemment, idéalement, vous et moi, on aimerait bien qu'il y ait une société dans laquelle les deux soient raccords. C'est-à-dire que le pouvoir de nuisance émane essentiellement des gens qui ont raison. C'est à nous de l'organiser si on veut ça. Et ça n'émerge pas spontanément. Ce qui émerge spontanément, c'est que c'est la puissance installée qui domine. Si vous lisez ou relisez Machiavel, qui date d'un peu avant la démocratie et d'un peu avant le numérique dans les champs, Machiavel dans Le Prince explique extrêmement bien en quoi, si vous voulez changer quoi que ce soit au fonctionnement de la société, vous allez voir débouler dans votre bureau, alors en l'occurrence dans le palais du prince à l'époque, tous les puissants installés dont ça ne fait pas les affaires, puisqu'ils savent qu'ils vont perdre, et vous ne verrez pas débouler dans votre bureau les gagnants futurs, puisqu'ils sont futurs et qu'ils savent pas qu'ils vont gagner. Donc, dès lors que vous êtes dirigeant d'un pays, vous avez une pression conservatrice qui est extrêmement forte.
Aujourd'hui, d'où vient la pression conservatrice? Des gens qui savent déjà faire du numérique et de l'agriculture comme on l'a fait. Donc on essaye de marier les deux et ça va être génial. C'est évidemment pas ma position, mais ça vous explique pourquoi c'est normal que de Normandie, il n'utilise pas sa cervelle, parce que dans le poste où il est, il ne peut pas l'utiliser, ou plus exactement, il ne l'utilise que sur une chose, qui est d'arbitrer des pouvoirs de nuisance. Voilà. C'est très désorientant, très déconcertant. J'ai mis moi-même un certain nombre d'années, voire de décennies, à comprendre ça, de se dire, on a quelqu'un, il a fait les mêmes études que moi, il doit quand même comprendre le problème à traiter, donc il va dire des trucs pas trop cons, mais non, ça marche pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Toujours dans les trucs pas trop cons, pour prendre un problème qui vous est cher, la vente du domaine de Grignon à Altaria Cogedim est une connerie de débutant. Il ne comprend même pas qu'il ait pu faire une connerie pareille. Bon. Et il l'a faite. Voilà, les gens arrivent à faire des conneries. Bon, quand on est au pouvoir politique, c'est très facile à cause du fait que ça s'organise avec des pressions. Si on essaye maintenant de prendre le problème de fond, c'est quoi la place du numérique dans l'agriculture de demain ? Il y a une partie du numérique qui n'est pas fondamentalement nécessaire. Le numérique n'est pas fondamentalement nécessaire pour planter des arbres, planter des haies ou déspécialiser les régions agricoles. Vous avez besoin d'un peu de jus de cerveau, vous avez besoin d'une planification et vous avez besoin d'une réglementation pertinente. Je ne suis pas persuadé que le numérique soit essentiel pour faire venir des gens dans l'agriculture. Il y a des sujets de statut social qui comptent. Regardez par exemple le domaine de la finance. Quand j'étais jeune, c'était un truc qui avait un statut social de dingue. On voulait tous y aller, c'était génial, etc. Aujourd'hui, les gens qui veulent y aller sont uniquement des cyniques, à peu de choses près. C'est-à-dire que c'est des gens qui veulent juste le pognon et qui acceptent parfaitement d'être dans un métier qui est vu comme sans grande utilité par une bonne partie de la population. Hein. Ça joue. Et du reste, ça arbitre les recrutements. Hein. Vous avez de moins en moins, il en reste quand même beaucoup, mais vous avez de moins en moins de gens qui ont envie d'y aller. Alors, vous avez une partie des gens qui y vont en reculant, mais il y a quand même de moins en moins de gens qui ont envie d'y aller. Ceux qui y vont en reculant, c'est les gens des écoles de commerce qui se sont pris 50 000 euros de prêt étudiant sur la figure. Et après, il n'y a que le salaire qui compte à la sortie parce qu'il faut qu'ils remboursent le prêt étudiant. Et donc, la finance qui leur fait les yeux doux, allez hop, ils y vont. C'est une des manières dont ça fonctionne. Mais donc le statut social, et si le statut social comptait pas, et si l'intérêt comptait pas, vous auriez personne dans la recherche. Qui a envie de s'emmerder à devenir doctorant ou post-doctorant pour un salaire que vous pouvez avoir dans le secteur privé, en vous emmerdant beaucoup moins la vie. Bon. Donc, donc le statut social, ça joue. Ça n'a rien à voir avec le numérique. Est-ce que la mécanisation pertinente et économe dans les champs, elle a quelque chose à voir avec le numérique ? Je ne suis pas complètement persuadé. Je pense que c'est un arbitrage de deuxième niveau, mais que les arbitrages de premier niveau, ils ne sont pas là. Ils sont dans les types de cultures que vous choisissez d'avoir ou pas. Le robot pour mettre exactement la quantité d'azote qu'il faut, si vous avez planté de la luzerne juste avant, vous n'en avez peut-être pas besoin. Donc, il y a un vrai sujet, ou des poires, enfin, donc vous avez un vrai... Donc, à mon avis... Une large partie du numérique qu'on a envie de mettre aujourd'hui dans l'agriculture ne relève que de la pression exercée par les fabricants de matériel numérique et absolument pas d'une étude rationnelle du problème qui vous convaincrait que sans ça, on est tous morts de faim. Voilà, je reste à convaincre sur ce genre de sujet. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a foultitude d'ingénieurs dans le numérique, on a foultitude de milliards dans le numérique et que du coup, on a très envie de leur donner... Voilà. Des fois, c'est même l'État qui est le premier à déconner. Je vais vous donner un exemple qui est le déploiement de la cinquième génération sur le téléphone portable. On a regardé ça de très près au sein du Chief Project et du coup, ça va me permettre de répondre à la première partie de la question, c'est quoi l'empreinte carbone du numérique ? Donc l'empreinte carbone du numérique aujourd'hui sur Terre, c'est 4% des émissions. Alors c'est pas dans ce camembert parce que c'est une partie des émissions viennent des centrales à charbon et à gaz qui sont nécessaires pour faire fonctionner le système. Une partie vient des centrales à charbon et à gaz qui sont nécessaires pour fabriquer des composantes du système, en particulier les fabrications des dalles d'écran. Donc cette partie-là de mon ordinateur là, et cette partie-là de votre smartphone, l'écran tactile, hein, c'est très, très gourmand en électricité. La fabrication des semi-conducteurs, c'est très gourmand en électricité. Et puis encore à l'amont, vous avez de l'industrie minière, vous avez 40 métaux différents dans cet ordinateur, dont la quasi-totalité ne pourront pas être recyclés parce qu'ils sont présents à des concentrations dans l'ordinateur qui sont beaucoup trop faibles. Vous avez de la chimie amont, vous avez du transport amont, etc. Et donc, pour fabriquer cet ordinateur, il faut émettre à peu près 150 à 200 kilos de CO2 pour le fabriquer, hein, pas pour le faire fonctionner. Donc, l'empreinte carbone du numérique aujourd'hui, c'est 4%.
Là-dedans, à l'échelle mondiale, vous avez moitié fabrication annuelle, moitié fonctionnement annuel. C'est-à-dire que les émissions de la production électrique pour faire fonctionner le bousin tous les ans, c'est 2%. Et les émissions liées à la fabrication des écrans connectés, des ordinateurs, des smartphones et des composants de réseau, c'est 2%. L'ensemble augmente aujourd'hui de 6 à 8% par an. Donc 4%, c'est l'équivalent, vous voyez, du parc de camions. Et dans 5 ans, ça sera l'équivalent du parc actuel de voitures. Dans le monde, hein, 1 milliard de voitures. Donc ça augmente très très vite. Par quoi c'est tiré? Alors là, vous allez peut-être grincer des dents dans cette salle. C'est tiré par 4 usages. Netflix, je ne sais pas qui est abonné à Netflix, en piratage ou en vrai, dans cette salle. 2, le porno. 3, YouTube. Et 4, tous les vidéos du petit dernier qui a fait sa première dent et que vous envoyez à la terre entière, qui s'en fout réellement du reste, pour lui montrer combien c'est quand même merveilleux. Donc vous avez ces 4 usages-là qui représentent 70% du trafic Internet. Et c'est cet usage-là qui augmente énormément aujourd'hui. Et un autre usage qui va arriver et qui va également augmenter fortement, c'est tous les objets connectés. Donc votre frigo va vous dire hey, il est l'heure d'aller faire les courses, comme si vous ne pouviez pas ouvrir la porte et regarder ce qu'il y a dedans. Mais bon, et ensuite vous faire, même si moi je suis très vieux, donc j'ai les habitudes de vieux, vous notez sur un bout de papier les 3 trucs qu'il faut absolument, et du reste une fois sur 3 vous les oubliez du reste, parce que vous savez plus ce que vous avez fait du papier au moment où vous arrivez au magasin. Donc, mais c'est pas grave, votre frigo, vous n'allez pas avoir un frigo connecté sur votre smartphone connecté, etc. Enfin, cracher du CO2 juste pour pas oublier d'acheter du sel. Bon. Donc la 5G, pourquoi est-ce qu'elle a été installée en France, en l'occurrence? À quoi elle va servir la 5G? À regarder Netflix dans le métro. C'est essentiellement à ça qu'elle va servir. Elle ne va pas du tout servir à opérer Madame du genou de la clavicule au fin fond de la Corrèze avec de la chirurgie connectée. De toute façon, vous n'allez pas confier. Je ne vois pas. Comment vous opérez Madame du genou au fin fond de la Corrèze sans bloc opératoire? Donc s'il y a un bloc opératoire, il y a un chirurgien. Téléopération du genou sans chirurgien dans le bloc, bon, coûtera beaucoup moins cher d'envoyer le chirurgien là-bas que de déployer la 5G juste pour opérer un genou de temps en temps. Bon. Ça coûtera même moins cher d'envoyer des jets privés plutôt que d'aller faire voter Castex. Donc, vous avez aujourd'hui, même si tu allais voter en jet privé, c'est bien la preuve qu'une partie des politiques sont juste hors sol, quoi. C'est juste totalement hors sol. Donc là, le déploiement de la 5G aujourd'hui, il n'est pas nécessaire pour des usages sociétaux. Il ne sert à rien. Il n'est pas nécessaire pour des usages industriels. Il ne sert à rien pour ça. Les industriels y arrivent très bien sans. Donc, il va servir essentiellement à augmenter les usages numériques de loisirs. Donc vous allez recevoir sur votre portable en ultra haute définition, selon vos goûts, la dernière série Disney ou le sexe de qui vous voulez. Bon, je ne suis pas sûr que ça soit fondamentalement nécessaire d'avoir plus de ultra haute définition par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, pas complètement convaincu. Je ne suis pas sûr que ça soit nécessaire de foutre plein de CO2 dans l'atmosphère pour ça. Et les gens qui ont le plus poussé à la roue pour le déploiement de la 5G, en fait, c'est le monde politique, avec deux sous-catégories. Les élus locaux qui voulaient pouvoir dire, pour certains, pas tous, hein, mais pour certains, les autres, ils étaient plutôt contre parce que justement leur population avait peur. Mais je l'ai avant le voisin. Et surtout l'État qui se dit, je vais vendre des licences et ça va me ramener quelques milliards d'euros. Et comme les caisses de l'État sont vides, c'est toujours bon à prendre. Les opérateurs voulaient à peine y aller parce que vous n'allez pas payer votre forfait plus cher pour autant, alors qu'eux vont devoir investir. Il y a même eu une tribune de Martin Bouygues dans Les Échos en disant, ouais, il est urgent de ne pas y aller. C'est urgent de regarder. Bon. Voilà, donc voilà un truc qui a été fait, c'est même pas les fabricants qui ont fait pression, parce que les fabricants d'équipements pour la 5G sont pas en France. Les fabricants de composants pour les réseaux, ils sont chinois, les fabricants de smartphones, ils sont chinois, taïwanais, un peu suédois, pas français. Il n'y a rien de français là-dedans. Quel est l'intérêt pour l'industrie nationale? Nul. L'intérêt pour les opérateurs nationaux était extrêmement faible. C'est là le gouvernement qui a poussé, dans un délire techniciste, totalement pas étudié. Voyez. Donc on parlait tout à l'heure des politiques qui prennent des décisions. Non, voilà un autre exemple, absolument pas. Et si on avait dit à la population, vous voyez, vous avez le choix, est-ce que vous pensez que c'est essentiel de recevoir Netflix dans le métro ou pas? Il y a eu des sondages de cet ordre qui ont été faits. Est-ce que vous préférez qu'on fasse la restriction pour vous, histoire que vous ne soyez pas tenté, ou est-ce qu'on laisse tout le monde consommer, puis derrière on vous demandera de vous restreindre? Quand on fait des sondages de cette nature, une majorité de la population dit, non, commencez pas par nous tenter, parce qu'après c'est trop dur. Bon. Donc voilà un exemple dans lequel on a fait exactement l'inverse de ce qu'il fallait, sans réfléchir, et là en l'occurrence c'est pas directement les fabricants qui sont à l'origine du lobby. Non. Voilà, mais le numérique est un vrai sujet, et dernier point, comme je vous l'ai dit, il y a 40 métaux là-dedans,
ils ne seront pas tous éternels. Donc, à quel numérique, à quels usages plus exactement, je réserve le dernier microprocesseur que je serai capable de faire ? Aujourd'hui, sans numérique, vous êtes incapable d'avoir un système monétaire, parce qu'aujourd'hui, l'argent, c'est des électrons qui se baladent là-dedans. C'est ça l'argent, aujourd'hui. On serait incapable de convertir la masse monétaire actuelle en billets de banque. La comptabilité, c'est des électrons qui se baladent dans un ordinateur. Il n'y a pas une entreprise aujourd'hui qui est capable de reconfier sa comptabilité à des comptables avec papier et crayon. C'est juste impensable. C'est la communication. Donc le fait que vous ayez une coordination à l'échelle d'un pays, c'est des électrons dans un ordinateur. Donc vous avez levé l'impôt aujourd'hui, c'est des électrons dans un ordinateur. La fonction la plus régalienne qui soit dans un État est faite par les GAFA, en pratique. Cet ordinateur a été fabriqué par un GAFA. Internet, c'est des GAFA. Enfin, des GAFA. D'accord ? Donc la question, c'est si on doit commencer à avoir des problèmes sur l'approvisionnement en semi-conducteurs, et récemment, on en a eu, hein, je vous signale, hein, pour ceux d'entre vous qui suivent un peu l'actualité, ça fait 2 années de suite que les fabricants français produisent 25% de voitures en moins, parce qu'ils n'arrivent pas à se procurer les composants électroniques qui vont dans les voitures. Donc quand moi j'ai appris à conduire dans une 2 chevaux, on baissait la vitre à la main, il n'y avait pas un microprocesseur dans la bagnole. Aujourd'hui, une voiture sans électronique, elle ne marche plus. Bon. Donc à quoi on veut réserver l'électronique restante, sachant qu'elle ne sera pas éternelle, hein? Aujourd'hui, cette question, elle est nulle part. Eh bien, avant de se poser la question, et je vais en finir par là, ma longue réponse, du déploiement du numérique chez les agriculteurs, il faut se poser cette question. Hein, il faut se poser cette question. Parce que si on rend le système dépendant de quelque chose qui va nous faire défaut, c'est compliqué. On ne doit pas arriver loin de... Allez. Bonsoir. Vous avez dit tout à l'heure que l'agroforesterie est un moyen d'augmenter les puits carbone terrestres. Mais je crois que les rendements agricoles sont plus faibles avec l'agroforesterie. Donc comment concilier à la fois, comment satisfaire à la demande alimentaire mondiale croissante et ce besoin d'augmenter les puits terrestres? Alors une des choses que j'ai dites, c'est que même sans agroforesterie, il n'est pas du tout sûr que les rendements vont se maintenir. C'est un des trucs que j'ai dit tout à l'heure. Et c'est même raisonnablement sûr que ça ne sera pas le cas. Donc, en fait, aujourd'hui, on a une tendance à raisonner toutes choses égales par ailleurs. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a un certain nombre d'endroits où les sols s'érodent. Si vous vous baladez un peu dans la campagne, vous voyez qu'il y a des sols dans certains endroits où vous commencez à voir apparaître beaucoup de cailloux. Ça veut dire qu'une partie du limon est partie, il reste de plus en plus de pierres. Vous avez de temps en temps des surfaces dans lesquelles vous commencez à voir la roche affleurer sur des parties des parcelles, etc. Notamment quand les surfaces sont en pente et que les sols restent nus au moment des pluies d'hiver, etc. Un des bénéfices de l'agroforesterie, c'est de contribuer à maintenir le sol en place d'une façon plus efficace. Ça a une valeur. Donc aujourd'hui, on a beaucoup d'arbitrages à faire qui sont en fait des arbitrages temporels. C'est-à-dire, est-ce que je choisis de ne pas me limiter aujourd'hui avec le risque que je sois très fortement limité demain sans l'avoir demandé? Ou est-ce que je paye tout de suite une forme de prime d'assurance? C'est-à-dire que dès à présent, j'accepte aujourd'hui un certain nombre de contreparties d'éléments qui sont des stabilisateurs du système dans la durée. On n'est pas capable aujourd'hui de tenir facilement ce genre de débat parce que comme on a des modes de raisonnement qui sont monde infini, demain il n'y aura pas plus de contraintes qu'aujourd'hui et donc on ne voit pas pourquoi on se contraindrait aujourd'hui pour s'empêcher un enquiquinement demain parce que demain il n'y aura pas d'enquiquinement, de toute façon on aura la croissance jusqu'à l'infini. Mais dans un monde qui n'est pas infini, il faut se poser ce genre de questions. Et alors je ne suis pas suffisamment fin agronome, et du reste pas agronome du tout, pour vous répondre, donc... Probablement aussi que la réponse dépend des types de cultures. Faire de l'agroforesterie dans les pâturages, c'est quand même vachement simple. Faire du bocage. Parce que la vache, ça ne la gêne pas beaucoup de faire le tour de la haie, quoi. D'accord ? C'est pas un tracteur, quoi. Donc vous avez vraiment selon le type de pratique agricole. C'est pareil, faire des haies dans les vergers, c'est pas très compliqué. Alors les vergers est déjà de l'agroforesterie, mais je veux dire, et ça gêne pas trop la récolte de pommes ou de bon. Donc ça dépend vraiment des endroits, ça dépend du type de culture que vous avez, ça dépend de là où vous mettez les arbres, est-ce que vous mettez des haies, est-ce que vous les mettez au milieu des champs, enfin voilà.
Je ne suis pas suffisamment spécialiste de la question pour vous répondre. Il y a des gens qui sont. Il y a une association française de l'agroforesterie, donc si ce sujet vous intéresse, vous pouvez très bien faire venir une personne ici qui vous en parlera mieux que moi. Par contre, ce que je peux quand même vous dire, c'est que toutes ces réflexions doivent avoir lieu à l'aune d'un monde où tout va changer. Où tout va changer. Et donc, il faut regarder comment, je le redis, est-ce qu'on optimise le couple risque-rendement dans cette affaire. Hein ? Aujourd'hui, on a beaucoup augmenté les rendements, mais on a aussi beaucoup augmenté les risques. Merci.